Merci d'être là, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette émission Backseat exceptionnelle. C'est l'avant-dernière émission de la saison, chers amis. Euh, merci d'être avec nous, on va parler de politique ce soir. Merci à vous qui nous regardez sur Twitch, merci à vous qui nous regardez sur Youtube, et merci à vous qui nous écoutez en podcast. On est très heureux de vous accueillir ce soir, je ne suis pas tout seul sur cette émission, je vais vous présenter tout de suite mes extraordinaires chroniqueurs et chroniqueuses. On est avec Usul Bonjour Bonjour Usul oui. pour Usul, tu es chroniqueur sur Blast, euh, tu, tu co-animes l'émission Rhinocéros et tu es mmh. également chroniqueur sur Backseat. Exactement. Ça fait plaisir de t'accueillir, merci d'être avec nous. Ouais, gros Rhinocéros dimanche, Là, on va parler de la réforme de Dati. Là. À la réforme de l'audiovisuel ah, Ouais, ouais. La fusion. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche Oui, il y a une énorme anguille. Euh, <laughs> il y a, y a un petit euh, <laughs> caillou. Elle est énorme et on va tout vous expliquer dimanche. Eh mmh. ben, bah, on a hâte de regarder ça, merci beaucoup. On est aussi avec Latifa, mesdames et messieurs. Bonsoir Latifa, tu es directrice de l'association Le Mouvement. C'est ça. Eh bien, ça fait plaisir d'être avec toi. Tu vas bien, Latifa Pareil. Oui, 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 je vais bien, je vais bien. Euh, voilà, je vais juste faire mes impôts avant ce soir pour se les Ouais, c'est ce minuit, c'est minuit les impôts. Voilà, comme ça, vous le saurez, il faut déclarer. Euh, on est aussi avec Émilien, mesdames et messieurs. Émilien, <applause> tu es chercheur, tu es doctorant en sciences politiques et tu es spécialiste de la droite. Tout à fait. Et donc, comme je suis spécialiste de la droite, j'ai fait mes impôts. <laughs> Ça fait plaisir d'être avec toi, Emilien. Merci d'être avec nous ce soir. Très très content. Chers amis, vous l'avez vu, une opération ces derniers jours a été lancée sur Twitch. Une opération qui réunit plein de streamers en soutien à la Palestine. Ça a été lancé par Bagheera Jones. Ça s'appelle Streamer for Palestinians. On y a retrouvé Horty, Ponce, Angle Droit, Clément Viktorovitch et plein d'autres. Et pour en parler ce soir de cette opération et de la situation à Gaza, j'ai le plaisir d'inviter sur le plateau la responsable du pôle Moyen-Orient de médecins du monde, Louise Bichet. Bonsoir Louise, Bonsoir. merci d'être avec nous sur le plateau de Backseat, merci d'avoir accepté merci notre invitation, on voulait parler avec toi de cette opération Streamer for Palestinians notamment. Euh, hier soir, on a une vidéo, regardez ce qui s'est passé hier soir. On a une vidéo. Hein. Ouais, il y a une vidéo, elle va arriver. OMG, oh, OMG. Jormis, enfrié, hein. ah, ça ah, ça on y est là, ça Ça va le, le faire, c'est Il doit sur la musique

au profit de euh, Médecins du Monde Médecins du Monde est présent à Gaza depuis euh, 2006 la situation aujourd'hui à Gaza est terrible 70% des bâtiments sont détruits seulement 13 hôpitaux sur 36 sont encore fonctionnels 80% des Gazaouis euh, sont déplacés euh, en février dernier il y a eu l'installation par Médecins du Monde de deux équipes mobiles avec des centres de soins de fortune installés à l'entrée des hôpitaux euh, la, situation, euh, la situation est absolument terrible toi Louise tu étais à Rafa. tu étais à Rafah en mars dernier et tu y as tourné cette vidéo on la regarde. Donc euh, on est ici avec l'équipe de métra France, dans un des camps de Rafa, un camp de 27 000 personnes, l'équipe de médecins du de monde France qui travaille ici et qui gère un point médical. Plusieurs médecins, infirmiers, infirmières, pharmaciens, qui voient euh, tous les jours euh, autour de 500 patients, patients qui présentent pour beaucoup des euh, pathologies de type euh, infection, euh, maladies euh, transmissibles qui sont euh, énormément dues euh, à la vie en proximité, à la vie dans des conditions insalubres. La, la médiane euh, de la population euh, se trouve euh, entre 18 et, et, et 20 ans. Il euh, y a ce que je trouve très marquant euh, des enfants euh, partout. Ce que l'équipe remonte aussi euh, tous les jours, évidemment, c'est le manque criant de médicaments. Voilà, des images très intéressantes. Tu parles d'un manque de médicaments. Louise, j'ai envie de te demander en première question, qu'est-ce qui a évolué depuis mars dernier, depuis que tu as tourné ces images euh, Au lieu de s'améliorer, ça s'est clairement euh, empiré, notamment depuis euh, l'incursion de l'armée israélienne à Rafah et, et la prise euh, du poste frontière euh, qui était auparavant avec euh, l'Égypte, qui était tenu euh, voilà, à la fois à côté palestinien et à la fois à côté Égypte. Euh, euh, donc. Euh, les, les LED qui rentraient déjà au compte goutte hein, c'est totalement tari pendant plusieurs jours. Euh, là, quelques camions euh, sont, sont rentrés. Euh, et soit dit en passant, euh, compter les camions, ce n'est pas une bonne manière hein, de mesurer. Euh, voilà. C'est très difficile de faire rentrer les camions à Gaza. Exactement. Et donc on est, tout le monde est un peu euh, voilà, focus sur le nombre de camions qui rentrent, mais en fait, c'est un paramètre euh, parmi d'autres. Euh, quoi qu'il en soit, en tout cas, là, ça ne, ça ne rentre pas alors que les points de passage existent. Donc, c'est vraiment une décision politique, politique. de ne de, de pas ouvrir ces points, de, ces points de passage. Et puis, le fait, justement, pour revenir sur l'incursion, ça a fait de nouveau se déplacer les populations civiles pour la cinquième fois, sixième fois, septième fois pour certains, certaines. Donc, là aussi, ça a de nouveau dégradé la santé physique et mentale des populations civiles. Donc, c'est vraiment pire. Euh, là maintenant début juin. En novembre dernier, le 5 novembre, Meissara Raïes, qui est médecin urgentiste et superviseur médical chez Médecins du Monde, a été tué, ainsi que plusieurs membres de sa famille lors d'un bombardement de son immeuble euh, survenu à Gaza City. Euh, vous, avez, vous avez encore des équipes sur place, Médecins du Monde Combien de personnes de Médecins du Monde sont sur le terrain Là, on en a 43 euh, en ce moment. Euh, effectivement, euh, bah, vrai, ça a été euh, difficile, évidemment, pour, pour l'équipe euh, sur place. Euh, on a continué, euh, pourtant, évidemment, les opérations. On les a augmentées beaucoup, euh, forcément. Il n'y a, a que ça à faire. Euh, et donc, euh, voilà, les opérations euh, se sont développées. Bah, tu le disais tout à l'heure, effectivement, à Rafa, on, on le voit sur les images, hein, c'est vraiment. Euh, oui, de fortune, très, très clairement, ces points médicaux, euh, c'était déjà une, un challenge certain d'aller chercher, euh, trouver des piquets en bois, euh, des bâches, des cartons, etc. Euh, et donc, de nouveau, après l'incursion, toute l'équipe euh, est remontée vers Derelbala. Et là, a réouvert de nouveau euh, une grosse clinique, plusieurs points médicaux, et on continue d'ouvrir, en fait. Euh, quelles sont les principales pathologies pour lesquelles les personnes viennent consulter euh alors ça reste effectivement des, des maladies euh, infectieuses, des maladies transmissibles. Il y a aussi des maladies chroniques qui ne sont plus du tout euh, prises en charge. Euh, donc euh, pour ceux qui pouvaient être stabilisés... Euh euh, sur des choses, euh, des, des, des maladies qu'on sait traiter hein, par ailleurs, euh, même le, le diabète euh, qu'on peut stabiliser. Euh, mmh. Voilà, tout ça, c est, c est, c est, c est, ça n'existe plus. Donc euh, c'est soit effectivement des pathologies de ce type qui, qui, qui dégringolent, en fait, soit euh, des pathologies relativement bénignes. même une infection à l'hépatite A euh, qui est due euh, à l'eau insalubre. Mmh. En temps normal, on sait la traiter, en fait, quand on a les molécules euh, et quand on, quand on sait aussi changer, justement, et avoir accès à de l'eau potable, etc. Donc, c'est pas. Après, évidemment, après, il y a des personnes blessées, etc. Mais sur la, 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 le gros, si je puis dire, euh, des infections, c'est pas forcément des choses très complexes, mais mmh. la situation les rend extrêmement complexes. Et par ailleurs, euh, on voit sur les points médicaux de plus en plus de cas de malnutrition et ça c'est vraiment un cercle vicieux. Euh, plus les gens sont malnutris, moins ils vont pouvoir lutter contre euh, des infections oui. relativement euh, bénignes Donc ça va dégringoler très vite. Tu dis euh, quand on a les molécules, on peut traiter. Je suppose que c'est difficile d'avoir des médicaments sur place. C'est vraiment un challenge, pas que pour nous, hein, pour, euh, pour tout le monde. Ouais. monde. C'est un défi euh, quotidien. Donc il euh, y a une très grande euh, solidarité entre acteurs euh, humanitaires. Donc euh, dès lors que euh, L'un ou l'autre a réussi à faire rentrer un fret, euh, on va pouvoir se dépanner, se prêter des, des molécules. Euh, nous, on fait des soins de santé primaires, donc c'est vraiment des, comme des consultations généralistes. Euh, donc euh, voilà, si on a des molécules plus euh, dont on a moins besoin sur les points médicaux, on va pouvoir les, les donner à d'autres. Euh, mais ça reste effectivement euh, extrêmement compliqué. On est à flux tendu. Euh, voilà, pareil sur le, sur le fuel, par exemple. Oui. Toi, tu as réussi à aller sur place, je le disais, en mars dernier. Comment tu, comment tu as fait C'est très difficile de rentrer à Gaza. Alors, à l'époque où c'était euh, possible, ça l'est encore, mais avec d'autres conditions. Euh, oui, c'est des convois, en fait, hein, qui étaient euh, coordonnés par les Nations Unies, mmh. avec un nombre euh, limité, euh, dans des conditions d'accès qui sont quand même pas simples. Euh, faut passer par, euh, il fallait passer par euh, l'Égypte, et après, c'est des heures de voiture dans le désert du Sinaï pour arriver jusqu'au jusqu point de passage euh, à, à Rafah. Euh, et puis après des contrôles, euh, voilà, très très longs pour pouvoir euh, pour pouvoir rentrer. On a vu le, le gouvernement français communiquer avec des images de colis largués depuis des avions euh, vers vers Gaza. Qu'est-ce que ça représente cette aide du gouvernement français Est-ce que c'est suffisant Pas du tout. Euh, on on l'a souvent dit, hein, c'est complètement euh, cosmétique. Ouais. Euh, donc c'est c'est largement insuffisant en termes de volume, évidemment, et par ailleurs, ce n'est absolument pas les bonnes modalités. C'est pas comme ça qu'on distribue et qu'on apporte de l'aide humanitaire des à des un avion, de la... Ça n'aide pas. Pas du tout. D'accord. Euh, par ailleurs, on nous demande, et c'est tout à fait normal, de la rigueur quand on distribue l'aide alimentaire, quand on a. Faut s'imaginer ce que c'est. Euh un camion d'aide alimentaire pour 2 millions de personnes qui ont faim, ça ne s'improvise pas. Ah euh, et donc, on l'a vu, il y a quelques images, même s'il n'y a effectivement pas de, pas de journalistes à l'intérieur, on arrive quand même à avoir des images. D'abord, il, il y a des parachutages qui ne s'ouvrent pas, donc euh, qui font des victimes. C'est quand même le comble. Mmh. Euh, et puis après, ça peut amener à des mouvements de foule, de l'agressivité, voire de la violence, euh, des drames en fait. Ouais, hein, C'est euh, vraiment pas la solution. Vraiment, ça ne fonctionne pas. Euh, et, et on utilise le terme de cosmétique parce que on le rappelle souvent, hein, le, le droit international humanitaire, les conventions de Genève, elles obligent les États tiers, donc tous les autres États, à faire respecter le droit international humanitaire. Donc vraiment le, le, le droit de la guerre, en fait, hein, qui protéger les civils et, et plein d'autres choses, mais en premier lieu ça. Euh, et donc la France et, et tous les autres États, en fait, sont responsables de leurs actions pour pousser Israël à faire respecter le droit international humanitaire. Donc, on peut se demander si euh, voilà, le fait de larguer euh, des colis, est-ce que c'est pour se euh, dédouaner potentiellement d'un manque d'action politique et diplomatique, en fait euh, Est-ce que, est que l'aide est -ce humanitaire, c'est la seule chose qui permet aux populations sur place de survivre Est-ce qu'il y a des ressources sur place il y a très, très peu de retours sur place. D'ailleurs, il y a un manque de, de, de cash, de liquidité euh, mmh. euh, très fort. Euh, là, par exemple, si vous voulez retirer euh, l'équivalent de 100 euros, il faut en payer 125 pour avoir accès à du cash, en fait. Donc, euh, même euh, retirer de l'argent coûte, euh, coûte cher. Et puis, euh, les denrées, euh, elles ont, le, le prix est multiplié au moins par 10 euh, pour la plupart des denrées alimentaires. Euh, et enfin ce qui est disponible on le voyait déjà au mois de mars hein, c'est des, des étals de conserve euh, et ça à force ça, ça crée des carences euh, très nettes, le manque de produits frais tout simplement euh, donc oui, l'aide humanitaire elle est cruciale euh, et elle, en plus elle ne se fait pas, pas bien du tout euh, en l'absence de cesser le feu ça, va, ça, ça ne peut pas continuer à, à, à apporter euh, ce qu'il faut j'avais une petite question par rapport à. C'est vrai qu'on a vu des images, on voit la sous-nutrition, on peut voir des amputations, on a vu des gens malades, euh, mais on ne voit pas nécessairement, on ne se figure pas nécessairement. Vous avez parlé de, de problèmes de santé mentale, euh, c'est une population qui est en état de choc, euh, ça a des conséquences, il y, y a des gens qui pètent des câbles, quoi, en gros Alors, il y a déjà effectivement. Euh... Comment vous le diagnostiquez aussi Comment vous voyez ça Complètement. Alors on le voit beaucoup euh, sur les points médicaux, ça c'est très net. Euh, D'abord, il y a les personnes qui pouvaient avoir des pathologies euh, préexistantes, qui là aussi, je parlais des maladies chroniques, qui mmh. pouvaient être plus ou moins euh, stabilisées avec là aussi les bonnes, euh, les bonnes molécules, et ça c'est plus le cas. Donc euh, des personnes qui ont des pathologies psychiatriques lourdes, par exemple, là, il n'y a plus rien. Et après, il y a toutes les personnes qui effectivement n'avaient pas forcément euh, de, de, de pathologie, en tout cas de, de, de problèmes de santé mentale, euh, qui là... Euh, des vis complètement. En fait, il faut vraiment se rendre compte euh, que c'est des bombardements permanents. Euh, les nuits sont entrecoupées de, de bombardements, donc il euh, n'y a pas le sommeil euh, voilà hum. réparateur. Il y a les drones. De, ouais. Les drones, les tirs au loin, ça aussi, c'est tout le temps. Euh, donc c'est vraiment un environnement de, de, de stress et d'anxiété permanente. Euh, et ça... Ça va vraiment. Soit il y a des gens qui vont effectivement, des personnes qui vont décompenser tout d'un coup et... et là ça va mettre à risque et elle-même et puis l'entourage. Euh... Il n'y a plus la communauté de support pour les personnes qui se sont déplacées. En fait, il y a plus le réseau de soutien, mmh. euh, d'entraide. Mmh. Euh, tout ça ça, 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 vole, ça vole en éclats. Il n'y a pas de perspective non plus. Euh, on parle beaucoup du sommeil, j'y reviens, pour les enfants, c'est très net euh, sur mmh. des, des années en fait qui sont cruciales en mmh. termes de développement cognitif, de développement émotionnel. Euh, et ça, ça va créer en fait, des... des... C'est une génération gâchée. Ouais, c'est dur de dire ça, mais euh, en tout cas, oui, euh, pour euh, nombre d'entre eux, euh, probablement qu'on va voir des effets, des effets à long terme et pour certains irréversibles. Émilien, tu avais une question sur la Cisjordanie et le Liban. Oui, c'est-à-dire que, bon, évidemment, ce qui est normal, hein, on, on se casse beaucoup sur, mm. sur, sur ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe à, à Rafah. On sait que, malgré tout, il y a aussi des des problèmes, des conflits, notamment avec euh, certains groupes armés euh, à Jérusalem-est ou en Cisjordanie qui ont attaqué les, les Cisjordaniens. Et pendant ce temps-là, bon, on sait qu'il y a un tiers de la population palestinienne qui est réfugiée, même avant le conflit, euh, dans des camps en Cisjordanie, au Liban, euh, en Jordanie, je crois aussi. Okay. Il se passe quoi pour eux Est-ce qu'ils ont toujours, enfin, toujours de quoi La situation ne doit pas être extraordinaire, mais est-ce que comment ça se passe pour eux euh, Bon, j'ai envie de dire, la priorité est à Arafat, mais voilà, comment ça se passe là-bas Est-ce qu'ils ont est ce qu'il faut Est-ce qu on leur autorise l'aide humanitaire à arriver Enfin, voilà. Alors évidemment, ce n'est pas la même situation, en mmh. effet. Euh, cela dit, elle est extrêmement euh, catastrophique aussi en Cisjordanie. Euh, C'était déjà euh, très compliqué euh, avant mmh. le 7 octobre et depuis, en fait, ça n'a fait que s'aggraver. Euh, on documente hein, les, les, les violences à la fois de l'armée israélienne et à la fois des colons israéliens. Euh, mmh. Et en fait, il faut vraiment s'imaginer euh, la, la, la Palestine, une, une carte euh, saisissante euh, qui date déjà d'il y, y a 15 ans, mais à laquelle je peux, je peux vous renvoyer, qui est vraiment l'archipel de la Palestine. Donc c'est vraiment, il faut s'imaginer que c'est des, des, des communautés euh, et des bouts territoires morcelés. Mmh. Euh, on, on sort là, cette semaine, un, 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 une étude de cas sur un village euh, qui est encerclée en fait euh, par l'armée israélienne et par le mur de, de séparation. Euh, et là, typiquement, cette communauté de ce village-là, euh, à Loalaja, n'a plus accès aux soins en fait. Elle est complètement euh, coupée du monde. Euh, donc, c'est des femmes enceintes qui vont partir euh, un mois avant la date du terme pour être sûres de pouvoir avoir accès à, à un personnel de santé au moment de l'accouchement, par exemple. Euh, et d'une manière générale, oui, la, la violence a extrêmement euh, augmenté. Nos équipes euh, elles-mêmes. Euh, font face à ça. Tous les jours, on a euh, des routes qui doivent changer, il faut, ch il faut euh, voilà, modifier le parcours euh, ou ne, ne pas pouvoir se déplacer à un endroit euh, précis. Il faut des, des autorisations. Exactement, il faut passer les checkpoints. <coughs> euh, nos voitures peuvent être fouillées dans tous les sens euh, pendant, pendant, pendant des heures. Euh, donc oui, la Cisjordanie, euh, c'est très problématique. Et par ailleurs, on a très fortement augmenté là aussi notre réponse opérationnelle. Et euh, mise sur pied euh, une, gro une grosse clinique mobile avec plusieurs boxes pour pouvoir avoir accès aux communautés euh, les plus éloignées euh, du soin, en fait, euh, tout simplement. Latifa On parlait tout à l'heure de ce qui était préexistant en termes de maladies, etc. Mais Médecin du Monde est à Gaza depuis quasiment qu'il y a un blocus euh, sur cette partie-là du territoire. Euh, alors aujourd'hui, c'est particulier, mais est-ce que c'était aussi compliqué avant Et comment vous, vous travaillez Est-ce que ça a effectivement amplifié euh, des, des choses qui, euh, qui, existaient, qui existaient déjà et comment, je sais que les humanitaires font aussi un gros travail de plaidoyer auprès des autorités, on parlait alors d'efforts diplomatiques, comment aujourd'hui la France justifie son inaction sur ce territoire et euh, comment le gouvernement israélien peut continuer à refuser de l'aide humanitaire euh, au, au point où on en est en fait Alors sur la première partie de la question, euh, oui effectivement, depuis quelques années, on travaillait euh, avant le 7 octobre sur deux axes euh, principaux ces dernières années. Euh, sur la question de, de préparation des hôpitaux euh, et des centres de santé euh, euh, aux, à la réponse aux urgences. Euh, donc ça, c'est très important, notamment, par exemple, sur les questions de, de triage, quand il y a un afflux massif euh, de blessés, euh, que le personnel de santé euh, soit en capacité. Euh, de, de, de répondre aux premiers besoins et de faire un triage. Voilà. Donc on, a, on a beaucoup travaillé euh, sur ce sujet-là, qui est, malheureusement a été euh, pertinent. Euh, et le deuxième axe, c'est sur les questions de santé mentale, justement, parce qu'en effet, euh, c'était euh, totalement préexistant avant le 7 octobre. Effectivement, la situation de, de blocus de 2 millions de personnes, ça n'est pas sans, sans impact sur la santé mentale, y compris euh, des enfants. Et donc, on a beaucoup travaillé euh, sur l'intégration euh, de consultations de santé mentale, en fait, dans des centres de santé euh, dits... Euh, Primaire, enfin de, de, de premier recours, pour que ce soit accessible et qu'on puisse là aussi détecter euh, des problèmes de santé mentale avant que ça puisse là aussi euh, glisser vers quelque chose de plus, euh, de plus difficile à, à gérer. Donc, ça évidemment. Euh on peut plus le faire, en tout cas euh, comme avant. On travaillait beaucoup avec des partenaires, avec des organisations euh, pour renforcer les compétences. Là, euh, vu la situation, on, on est obligé de rebasculer vers une intervention en direct avec des équipes médecins du monde sur quelque chose de, de, de 360 en fait, hein, sur du soin euh, complètement euh, global. Et j'ai oublié pardon de la deuxième. Non, c'est sur les efforts diplomatiques et le droit humanitaire en fait. Oui. Comment aujourd'hui la France? Euh justifie l'inaction et comment le gouvernement israélien peut continuer à se... Parce qu'on a entendu Emmanuel Macron à plusieurs reprises rappeler euh, le, le, le nécessaire respect du droit, euh, euh, du droit international, euh, l'opposition de la France à, une, à un déploiement euh, terrestre armé à Rafah. Voilà, ça c'est ce qu'a dit le président de la République. Mais qu'est-ce qu'il fait concrètement C'est une bonne question. Il faudrait, <laughs> euh, faudrait la poser à lui-même. mais... Euh, on, on, on a de cesse hein, nos équipes ici au siège. En fait, on, on, on se sert, on, on estime en fait à Médecins du Monde que euh, nos opérations... Euh ne suffisent pas. C'est c'est très bien et c'est crucial hein, le, les soins qu'on apporte, mais qui a effectivement une dimension de plaidoyer qui est inhérente à notre action. C'est vraiment euh, au cœur de notre mandat et euh, notre légitimité de parole, elle, elle vient du terrain, elle vient de ce que nos équipes, de ce qu'on peut voir nous-mêmes euh, sur le terrain. Donc en fait, on a, on a de cesse en fait hein, de demander euh, des audiences euh, au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, euh, d'essayer de, de faire passer êtes, nos messages. Vous êtes reçu. Ça dépend. Okay. Oui, là récemment, par exemple, okay. mais c'est pas c'est pas systématique. Mmh. Il faut pousser. C'est un effort collectif aussi. On n'est pas tout seul. Il y a quand même beaucoup d'ONG françaises, européennes, internationales qui se qui se mobilisent et on fait des actions ensemble aussi. Il y a quand même, il faut le noter, c'est une chouette coordination des acteurs humanitaires. Euh, donc oui, on, on arrive à faire passer des messages. Maintenant, non, c'est pas c'est pas suffisant et, et je pense que déjà il y a un, un, une prise en compte du sujet beaucoup trop tardive. Euh, et là, il faut il faut pousser plus fort, il faut pousser autrement. Ouais, puisqu'on parle de prise en compte du sujet, il y a aussi la question euh, médiatique. Les humanitaires, j'ai eu Ronnie Broman il n'y a pas longtemps euh, en plateau, je l'ai entendu sur France Culture d'ailleurs. Il, il y a très peu de temps, les humanitaires font partie des rares par paroles qu'on accepte sur les plateaux pour raconter un peu ce qui se passe à Gaza. Parce que, euh, bah, Géraldine Wessner il y a dit il y a pas longtemps, il y a pas de journalistes palestiniens, on les écoute pas. Euh, mmh. Une parole militante est suspecte d'emblée. Mais bon, un médecin, ok, d'accord, ça fait bien. Quelles ont été votre, c'est audible en tout cas. Mmh vos rapports à, à Médecins du Monde avec euh, les médias Est-ce que vous avez été sollicité Est-ce que vous vous sentez écouté, entendu Ou est-ce que, bon, pas trop, peut-être un peu moins que d'habitude, plus, moins ça, Comment ça s'est passé Comment ça se passe ces jours-ci Il euh, y a eu une attention médiatique euh, quand même. En tout cas, je veux parler de la, du territoire français où il y a quand même eu effectivement euh, une, une oreille. En tout cas, euh, on l'a saisi euh, dès, euh, dès que la porte euh, s'ouvre, euh, justement, parce que je, je, je parlais de cette dimension. Euh, de, de, de plaidoyer. Donc c'est important mmh. euh, de faire passer euh, ces messages-là. Et en effet, parce que euh, je, je trouve qu'effectivement, ce qui est assez mh, différent peut-être là dans ce contexte euh, actuel, c'est que l'absence effectivement de, de journalistes nous oblige encore plus mmh. à, à, témoigner, euh, à... Vous à avez fait des images. À... Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mmh. Euh, et effectivement, on y dédie euh, peut-être encore plus de temps euh, parce qu'on sent, c'est tout à fait juste que... Euh, parce que notre mandat est celui de euh, l'impartialité, de la neutralité, mmh. de l'humanité, que euh, on va pouvoir effectivement euh, être audible. Donc c'est important de le faire, euh, mais on n'est pas là que pour raconter ce qui se passe. On fait des demandes très claires euh, de, de plaidoyer. On fait pas un boulot de, de journaliste. C'est-à-dire des demandes de plaidoyer. cest à bah, par exemple, de cesser le feu, d'ouverture des points de passage. Mmh. Euh, et donc mmh. on n'est pas on n'est pas sur un sur un travail de, de, de journaliste. On raconte ce qu'on voit. Vous, vous communiquez avec les autorités israéliennes aussi. Alors, on est en coordination euh, quotidienne, notamment pour. Euh, euh, on appelle ça euh, un, de l'anglicisme assez moche, mais déconflicté. On déconflicte nos mouvements et on déconflicte nos bâtiments. En fait, ça veut simplement dire donner. Euh, euh, les coordonnées GPS et annoncer la nature humanitaire. Du camion. Euh, du, effectivement, soit du transport, soit du personnel, soit de l'immeuble, de, de nos bureaux, par exemple. Donc, ça, typiquement, c'est une communication quotidienne. L'opération euh, Streamer for Palestinian, ça a récolté un million d'euros. C'est du jamais vu euh, pour une opération nouvelle euh, de, de collecte de dons euh, sur Twitch. Ça montre une mobilisation particulière de la jeunesse. Il, a, il se passe quelque chose en France autour du conflit euh, à Gaza. Il y a une génération euh, Gaza qui est, qui est en train de, de monter. C'est quelque chose que vous ressentez en tout cas, je, 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 enfin, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, euh, on est euh, très, très heureux de cette somme collectée. Elle est cruciale pour nos opérations. Euh, vraiment, c'est déterminant. Mais en effet, de sentir derrière que c'est une mobilisation de la société civile, en fait. Hein, euh, Ouais. Euh, C'est primordial, ça compte énormément, euh, y compris pour nos collègues à l'intérieur qui suivent mmh. autant que possible, euh, qui savent que ça se passe. Et, et donc oui, il y a la dimension financière, bien sûr, mais, mais pas seulement. Et plus que ça, derrière, ouais. on sent un soutien, un soutien citoyen. Emilien <coughs> J'ai une petite question un, un, un peu à côté du, 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 du stream, qui est effectivement une... En tout cas, plutôt encourageant, c'est euh, celle en fait, du système de santé Gazaoui. C'est-à-dire que finalement, on sait que des hôpitaux ont été bombardés, on sait qu'il n'y a plus grand-chose dans la partie nord, on sait que des médecins ou autres personnes hospitalières ont été tuées. Euh, c'est quoi aujourd'hui les moyens Est-ce que vous avez des infrastructures déjà existantes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer Quelle est votre coordination avec. Euh, les médecins, infirmières euh, Gazaouis euh, euh, qui restent et qui j'imagine sont aussi du coup des réfugiés euh, ben, comment ça et je parle même pas de l'après de, de l'après de cette de cette guerre euh, il y aura sont absolument tout à reconstruire donc que ça comment ça se passe avec finalement les non humanitaires euh, euh, là-bas alors c'est un système qui est effectivement complètement par terre, un système de santé qui s'effondre. Donc en fait il faut se rendre compte que euh, si on a un, un cas euh, compliqué par exemple en termes de santé sur un, sur un point médical, on n'a plus en place le système de référencement euh, qui mmh. pouvait euh, exister. Je sais pas, on détecte euh, un problème euh, cardio. Euh, euh, eh ben, le médecin euh, généraliste mmh. va pouvoir référer vers euh, le, le la cardiologue. Médicale, euh, voilà, ça. exactement. Mmh. Ça, en fait, c'est par terre. Donc, euh, mmh. effectivement, ça crée une difficulté, y compris pour nos collègues, euh, euh, très forte. Après, on reste en lien avec euh, le personnel de santé. Euh, je vous parlais des 43 personnes à l'intérieur. C'est des personnes qui sont gazaouis, euh, qui travaillent okay. pour Médecins du Monde, pour certains, depuis plus de 10 ans. Donc, euh, le, le, les connexions, euh, elles sont là quand c'est possible, elles existent. Et euh, on travaille... Euh, euh, voilà, enfin, on est connu à l'intérieur, donc euh, mmh. on, on arrive à se coordonner. Mais parce que là, de nouveau, à Derelbala, les, les gens se sont rassemblés, donc on peut de nouveau faire des réunions de coordination, par exemple, mmh. ce qui est indispensable pour savoir quelle équipe va se mettre où, qui sait faire quoi. Et ça, il faut pouvoir se rencontrer, donc il faut pouvoir circuler. Euh, je reviens sur l'histoire du fioul, il faut de l'essence dans les voitures pour pouvoir bouger, euh, se rassembler dans un endroit relativement euh, safe pour pouvoir discuter de ces choses-là, pour que la qualité soit au rendez-vous. Donc là, on y arrive parce que notre équipe, euh, elle est euh, établie depuis longtemps et qu'elle a cette expertise-là, cette connaissance fine. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi sur cette mobilisation euh, qu'on qu a de la jeunesse, c'est l'accès qu'on a aux images. Lorsqu'à Rafa, il y a eu un camp de réfugiés des Nations Unies qui a été bombardé, par l'armée israélienne, on a eu accès à deux types d'images en France. D'abord les images floutées, les images qu'ont diffusées les médias, parce qu'ils ont des chartes, des règles, ils floutent les corps, ils ne montrent pas tout, ils, ils expliquent, ils font leur travail de journaliste, mais ils ne montrent pas. Mais comme on n'est plus à l'heure de la télévision, on est à l'heure des réseaux sociaux, on a aussi eu accès par d'autres internautes aux images non floutées. Et on est très nombreux à avoir vu euh, le, le caractère très cru de, de, de la guerre, des victimes, des corps calcinés. Et c'est quelque chose qui choque profondément. Il y a eu un peu un avant, un après Rafa, je crois, dans, dans, dans la mobilisation, quelque chose de... De, de, de très particulier, ça fait penser un peu à la guerre du Vietnam où la télévision a joué un rôle majeur dans la mobilisation de l'opinion publique américaine parce que pour la première fois les américains avaient accès à des images des journalistes qui montraient l'horreur de la guerre des blessés, notamment des GIs américains euh, mais aussi des, des Vietcong donc il y a quelque chose aussi d'assez intéressant sur le, le rapport à la guerre qu'on a je trouve en France et, et le, le témoignage qu'apporte euh, Médecins du Monde c'est aussi un témoignage direct du terrain et c'est quelque chose qui, qui rend véritablement visible ce que peut-être certaines personnes souhaiteraient ne pas rendre visible oui, je, je, je pense que c'est tout à fait juste. Euh, après, effectivement, ces, ces images, euh, elles ont été très fortes, effectivement. Après le, 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 ce bombardement-là, on a eu effectivement beaucoup d'autres avant. Et nous-mêmes, euh, on est dans une sélection, euh, évidemment. Alors, sans, encore une fois, je le répète, sans être journaliste, hein, mmh. c'est pas parce qu'il y, y en a pas à l'intérieur qu'il faut qu'on joue ce, ce rôle-là. Euh, mais euh, oui, c'est. Peut-être qu'en effet ça, ça, ça joue un rôle et que le, le, voilà c'est important. Euh, tant mieux si ça peut faire Latifia. prendre conscience. Euh, Est-ce que vous comprenez parce qu'il y a des gens qui disent oui mais euh, pour expliquer. Euh... Ça ne sert à rien de donner, par exemple, à des organismes, on peut directement aider des familles palestiniennes. C'est ce que permettent aussi les réseaux sociaux aujourd'hui et Internet de manière générale. Les cagnottes. Euh, ouais, voilà, les cagnottes, mmh. les GoFundMe, de etc. Euh, quel est votre euh, un, ouais, regard là-dessus Et c'est vrai qu'on a l'information comme quoi bah, Israël ne laisse, laisse pas passer d'aide humanitaire. Donc, est-ce bien nécessaire de soutenir des organisations humanitaires En tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup. Ouais. Euh, voilà, préférez plutôt euh, des soutiens financiers directs. Je comprends la question, je comprends aussi d'ailleurs la volonté peut-être d'avoir un lien direct avec une famille, je, je, je l'entends parfaitement. Euh, on arrive à travailler à l'intérieur, même si euh, je, on pourrait lister 15 défis quotidiens pour le faire. Euh, et je crois que ce qu'on met en place, alors déjà, ce n'est pas tout à fait la même échelle d'action, il faut quand même. Euh, évidemment, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que quand on a un point médical qui voit entre 300 et 500 patients par jour, euh, certes, ce n'est pas une famille qui, qui s'enfuit, euh, mais ça a un impact différent. Et nous, notre mandat, c'est vraiment d'agir quand le système de santé justement euh, s'effondre ou, ou s'est effondré, quand il y a un point de rupture très net. Et donc on agit sur des échelles qui, qui, qui ne sont pas les mêmes quand même. Euh, et puis, euh, voilà, je, encore une fois, je, je, je peux tout à fait comprendre, mais du coup on n'est pas sur des critères de vulnérabilité euh, ou de besoins les plus criants. Et c'est d'autres critères qui vont primer. Euh, l'accès aux réseaux sociaux, par exemple, euh, la capacité à pouvoir s'exprimer en anglais ou dans une autre langue. Enfin, typiquement, euh, on n'est plus du tout sur le, le, le même type de, de, de public. Euh, et nous, on a, du monde, on a vraiment comme mandat d'aller vers les personnes les plus vulnérables, les plus en difficulté, les plus éloignées du soin, en fait. Et, et juste pour ce milieu, vous savez déjà à quoi il va servir, euh, enfin, renforcer les opérations existantes. Enfin, ouais, vous avez déjà une, une idée oui, dans plein. <laughs> euh, Peut-être quand même pour vous donner un, un, un ordre de grandeur, la, 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 la mission, en tout cas là, les projets euh, à Gaza et en Cisjordanie, euh, ils sont autour de 10 millions. Euh, donc en fait, ce, ce million-là, il est, il est crucial à, à plusieurs égards. En fait, il va à chaque fois nous permettre euh, d'enclencher, d'amorcer euh, des actions ou des projets. Euh, on, on le dit quelquefois, j'ai d'expliquer le, le concept, mais parfois, ces dons issus vraiment de la société civile et du grand public, euh, on, on peut dire qu'ils sont réutilisés plusieurs fois. Donc, je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, là, on va pouvoir acheter par exemple des médicaments, donc faire repartir un nouveau fret, qui probablement, on l'espère, en tout cas, on va aller voir des bailleurs publics, des bailleurs euh, institutionnels, euh, qui peut-être euh, vont pouvoir nous suivre sur ce fret-là une fois qu'il a commencé, une fois qu'il est parti, par exemple. Et donc, ça relibère de nouveau l'argent qu'on avait engagé euh, pour le fret, pour euh, bah, en refaire partir un autre, ou euh, construire un autre point médical, ou embaucher des gens, euh, voilà. Donc ça, ça fait partie de, de, de la manière dont on gère euh, les fonds, et, euh, et c'est crucial en termes d'indépendance. C'est-à-dire qu'en fait, on, on a la liberté de pouvoir refuser des financements, quand les conditions ne vont pas nous convenir, par exemple, et ne vont pas respecter notre mandat d'intervention. Dernière question, comment on peut euh, continuer à vous aider euh, Je pense qu'en effet, il y a quand même deux, deux, deux axes principaux, je les ai évoqués tout à l'heure. Évidemment, financièrement, ça reste. Faire des dons sur Médecins du Monde. Ça reste euh, crucial, tout à fait. Euh, et ensuite, une mobilisation de la société civile, ça, ça a un impact euh, sur les politiques, sur les personnes, tout simplement, qui sont. Euh, en, en capacité euh, de pousser, de, de faire plier euh, un gouvernement, en l'occurrence là euh, le gouvernement israélien. Merci beaucoup, Louise Bichet, un tonnerre d'applaudissements. Louise Bichet, bon courage à du monde. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Axel pour nous parler de la situation à Gaza. Et encore bravo, donc je le redis, un million d'euros récoltés dans le cadre de l'opération Streamer for Palestinians. C'était une mobilisation exceptionnelle. Bravo à tous. Euh, continuez évidemment euh, à soutenir. Chers amis, je vous propose qu'on enchaîne avec une chronique que tout le monde attend. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Salut Salut Vincent Waouh, le, le micro. Pardon. Ouais, il est je très peux... haut. Il est très haut. Euh... Là, tu peux pas le baisser. Je peux pas le baisser. Non, tu peux juste l'incliner. Je peux. Ok. Je vais l'incliner un peu comme ça. Euh... C'est très 2020 le masque. Ouais. Désolé. Effectivement, je, je sors d'un Covid. Donc voilà. Tout ré... geste barrière, tout ça. Vous inquiétez pas. Je... je fais très attention. Mais effectivement, je préfère être le plus prudent possible. Et on embrasse Olivier Véran, évidemment. Waouh. Bon, moi non. <laughs> je vais... je branche un Comdab. Vas-y, vas-y, vas-y. Branche-toi. Branche-toi. Une petite réduction sur une chirurgie esthétique. C'est vrai qu'il. <laughs> ah oui, c'est vrai. bosse dans l'esthétique, ouais. C'est un changement ah, ouais. de carrière particulier, effectivement. Ah bah, il veut faire de la moula maintenant. Ouais. Euh, écoutez, cette semaine, je suis très content. Enfin, très content et très triste à la fois parce que euh, c'est potentiellement ma dernière chronique de la saison. En, en tout cas, parce que la semaine prochaine, je ne pourrais pas être avec vous pour des ah. raisons professionnelles. Terrible. Donc, voilà. Euh, je me suis dit, c'est potentiellement ma dernière. Mmh. Je vais enfin traiter le sujet que le producteur me demande de faire depuis des mois, ouais. les burgers d'influenceurs, ah. on va y aller j'espère que François en régie t'es content j'ai cédé, <laughs> mais rassurez-vous si j'en parle c'est parce que l'influenceuse Ophénia a elle aussi oh, lancé plus... cette semaine son propre burger le bug her, c'est un jeu de mots avec hug, vous allez comprendre le, le concept dans un instant parce qu'on a une, une petite vidéo de présentation. Le concept est très simple bug her, il y a le mot hug qui veut dire câlin <laughs> plus vous augmentez le niveau d'amour, plus il y a de steak. Dans le burger, il y a la sauce Hug. Comme vous savez, je suis très proche de ma communauté. J'aime le partage, j'aime tout ce qui est dans l'entraide, dans etc. J'aurais pu créer mon propre restaurant, mais vous me connaissez. J'ai préféré justement aider et m'associer à des restaurateurs parce que souvent c'est la crise dans la restauration. Alors le voici. Et on pourra du coup le retrouver dans plusieurs restaurants. Voilà, je vais revenir un petit peu sur tout ça tout à l'heure parce qu'il y a plein, plein de choses qui, ça, qui se passent. Mais voilà, euh, c'est des burgers faits avec amour, visiblement, hein, beaucoup d'amour, par une influenceuse accusée de dérive sectaire, mais ça, c'est pas le sujet du jour, on y reviendra peut-être une autre fois. puis beaucoup de steak, hein, j'ai vu. Ah, oui, ah, oui, alors... non, mais tu, veux, tu vas voir, tu vas voir. Ah, c'est ouais. 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 un certain type de steak, mais je vais en parler juste après. Ah bon non, j'en parle parce qu'elle est loin d'être la seule dans le milieu à s'être lancée dans l'aventure du burger, et ça m'a donné envie de poser une question, poussée par un producteur, évidemment, mais inspirée d'un tweet en réaction à son annonce, est-ce que les influenceurs, s'ils lancent pas leur propre marque de burgers, ils meurent ou bien <laughs> euh, Car il faut, il faut vraiment prendre conscience du phénomène. Hein. Et pour ça, je vous ai fait une petite timeline, pas forcément exhaustive, des, des créateurs de contenu qui se lancent dans la foot de manière générale, mais qui montrent bien le délire que c'est à quel point les burgers domine. Donc voilà une petite timeline depuis 2018 avec Ibra TV ce premier restaurant Mister Beast. Euh, il y a eu Arcouni aussi qui a fait un partenariat avec euh, avec Burger King. Bon il y a eu les pizzas de Mister B, mais il a aussi lancé ses burgers il y a pas longtemps. Et en 2024 on voit quand même un pic. On voit quelque chose quand même qui grandit je trouve. Et on sent vraiment une, une accélération surtout après le, le Covid je trouve euh, en plus. Mais en soi bon évidemment les influenceurs ils n'ont pas inventé cette mode. Hein. Souvenez-vous du partenariat en 98 pour ceux qui étaient nés je pense. Oh, le euh... burger c'est vrai. Il... Oh il y avait euh, Eric Ramsey euh, avec euh, Quick. Il y avait aussi le Coe Burger, voilà, créé initialement en 2006. Coe, euh, voilà, qui a par ailleurs été récemment mis en examen pour trois viols, dont deux sur mineurs et une agression sexuelle sur mineurs. Mais ce n'est pas le sujet du jour non plus. On y reviendra <laughs> peut-être une autre fois. Tout ça, si j'en parle, c'est parce qu'en fait, simplement pour dire que coller le vi un visage. Connu sur un burger, ça change tout d'un point de vue marketing. Évidemment, logique que des stars d'aujourd'hui se lancent, d'autant plus quand elles arrivent à faire du storytelling auprès d'abonnés qui ont toute leur confiance, surtout quand c'est Valous, par exemple, qui est un fan de fast-food, qui fait plein de dégustations. Bah, créer des burgers, pour lui, les burgouses, c'est logique. Ça semble évidemment plus naturel que si c'était Thibaut InShape qui faisait des burgers, lui qui est effrayé à l'idée de manger une glace au chocolat. Surtout qu'un influenceur qui lance sa marque, c'est de la visibilité immédiate sur les réseaux, il y a les copains qui vont faire leur dégustation, il y a aussi tous les influenceurs foot qui vont faire leur test des fois positif, souvent positif des fois négatif euh, aussi et en fait c'est vraiment les avantages d'être à la fois un média et un restaurateur c'est vraiment un cercle vertueux ou vicieux, comme on, selon <laughs> comment vous le prenez. Et ça marche. La preuve, c'est le succès des burgers de Mr Beast aux états unis que j'appelle toujours affectueusement Monsieur Bête. Un million de burgers vendus en trois mois à peine. Donc, ah ouais, et puis, même. sa marque après un tournant terrible. Mais là encore, je vais y revenir juste après, ne hein, vous inquiétez pas. Et lancer sa marque de burgers, en fait, c'est aussi une façon pour eux de se diversifier dans une créateur économique qui est très complexe. Les réseaux sociaux et les plateformes vidéo ne sont pas une source de revenus fiable du tout. Les marques ont des budgets limités. Les créateurs de contenu ont besoin de diversifier leurs activités pour anticiper l'après. Avoir des burgers, c'est un calcul sur l'avenir pour eux. Parce que. Je ne suis pas spécialiste du corps humain, mais a priori, dans 5 ans, on aura toujours besoin de manger, de s'alimenter. Voilà, c'est juste une petite... Des burgers. Euh, une, potentiellement des burgers, dans l'idéal, pour ces personnalités-là. Et puis, il faut rappeler qu'en France, les burgers, c'est le sandwich de fast-food le plus euh, vendu. Il hein. euh, y a 8,7 milliards de chiffres d'affaires en 2023. C'est devant le sandwich, hein, notre petit jambon beurre, etc. Et euh, bah, évidemment, devant la pizza, euh, tout ce qui est grill et euh, poulet frit. Donc, le burger, vraiment, domine. Il y a une vraie, vraie demande pour ça. Mmh. Et pour autant, alors se lancer dans la restauration, vous me direz, c'est un sacré risque, en vrai. On dit souvent qu'il faut plusieurs années pour que ça soit potentiellement rentable, c'est un investissement sur le, le, la durée. Natou le voit bien avec son café salon de coiffure mousse, et Marie-Palo et Luciane avec Marou, enfin ils témoignent hein, de, des difficultés que ça peut représenter. Ah, donc, vous allez me dire, mais ces influenceurs, les pauvres, ils se sont mis dans de beaux draps euh, euh, en voulant nous régaler avec des voyages gustatifs euh, toujours moins innovants. Eh ben, rassurez-vous, ils ont trouvé <laughs> la parade. La parade, c'est évidemment les Dark Kitchen. Voilà, ah. les Dark Kitchen. Pour rappel, une Dark Kitchen, c'est un restaurant virtuel ou alors un restaurant qui fait des plats. Pour une marque virtuelle, on ne mange pas sur place euh, la plupart du temps. C'est simplement des cuisines qui travaillent pour plusieurs marques disponibles en click and collect ou en livraison. Euh, vraiment, c'est l'ubérisation de, de la cuisine. On fait un burger, puis des sushis, puis des pokeballs pour des marques différentes, etc. avec euh, des modes d'emploi euh, à chaque fois. Depuis le Covid, notamment, les Dark Kitchen apparaissent comme des solutions économiques, mais ça a entraîné tout un tas d'autres problèmes qui sont plus ou moins bien gérés par les entreprises derrière. Que ce soit au niveau des conditions de travail, des cuisiniers comme des livreurs, des voisins qui sont pas très contents bah, à cause du bruit, des stocks, etc. Et évidemment, des questions sur le sourcing des produits ou même la fabrication d'une marque. Car on touche aussi à un problème, je trouve, de transparence à mon sens. Exemple, Amixem ne dit nulle part que ces euh, Star Smash sont fabriqués par Taster. C'est un géant de la Dark Kitchen, un géant français qui lève des dizaines de millions de, de, de dollars. Et qui Taster qui fait aussi. Pepe Chicken, la marque du YouTuber, Fast Good Cuisine. Il suffit de regarder les emballages, les waffle fries qui, euh, qui sont euh, livrés, etc. Ou même les adresses de fabrication. Si vous tapez euh, Pepe Chicken ou Star Smash sur Google, vous tombez sur les mêmes adresses, puisque ce sont les mêmes cuisines de Taster. Sauf que ça, ben, on ne le sait pas vraiment. Euh, Amixem, il n'en parle pas vraiment. Il dit c'est ce ne pas des restaurants physiques, mais il en dit pas beaucoup plus. J'ai dû aller sur LinkedIn, un réseau de l'enfer, mais vraiment... mais je ne sais pas si sûr, <laughs> Pour voir que c'était Taster derrière. Donc voilà, je prends vraiment des risques pour vous. Maintenant moi, je, suis, je suis devenu accro à LinkedIn, hein, voilà, j'ai des petits emoji euh, emoji fusées, emoji euh, hashtag motivation, tout ça. Et ce système de cuisine virtuelle, il montre déjà en vrai ses, ses limites. Mr Beast, il a porté plainte contre la société Dark Kitchen qui, a, qui lui faisait ses burgers, qui a, ils étaient de mauvaise qualité. Et la société, a à son tour, décidé de porter plainte contre lui. Donc c'est un truc, un petit scénario en cours aux États-Unis. Plus globalement, visiblement, le marché semble se casser la gueule aux États-Unis, comme l'a récemment écrit CNN. Je vous conseille vivement la vidéo de Eddie Burback sur le sujet, où vraiment il est allé très loin dans le concept pour raconter ce qui se passe derrière ce business de, de Dark Kitchen. Alors en, en, fr... en France, je sais pas, tout est débile. C'est comme si Inox il porte plainte contre l'Everest, tu vois. Euh, je sais pas où on va, je sais pas, c'est n'importe quoi tout ça. Mais j'ai je... plein de réactions, moi. Ça me fait penser à plein de trucs, vas-y. Vas bah oui, j'imagine bien, j'imagine là' C'est des genres de sujets. Je savais que Burger, ça allait te titiller, forcément. Oui, oui, c'est euh... ça. Alors tous, ils n'ont pas forcément... Alors non, je ne veux pas lancer la vidéo. Voilà un petit problème hein, technique. Tous n'ont pas adopté ce modèle à 100%. Il y a des lieux physiques qui existent, il hein, faut le dire. Ibra TV, c'est Black and White Burger, euh, dès 2018, où Valouz et son Burgouz, avec plusieurs restaurants établis en partenariat avec poca le fameux cuisto des, des stars d'Internet que vous avez vu notamment dans Z-Event, etc., qui est assez connu dans, dans le milieu. Et qui avait fait le Burger Backseat. Exactement. Il y a un Burger Backseat Il y en a eu un, il y en a eu un, un soir. Que... Que... <laughs> C'était à, à la projection en avant-première du documentaire. Ah, que, euh, ah oui! On a fêté ça ensuite au gourou. Mais c'était avait... pas une Dark Kitchen! Mais... Non, 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 non c'était préparé par la cuisine. Du, tu tu spoil littéralement ma chute de chronique. Ah merde, mais c'est pas grave! <laughs> non, non, mais moi je, moi aussi, je vais arriver en plateau de temps en temps, vous interrompre, donner mon avis, puis repartir. <laughs> pas de problème! Oh merde. Euh... Vous m'avez fâché. <laughs> pas du tout, j'adore surjouer la colère. Euh... Et ces burgers, bah, euh, en fait, euh, voilà, donc le euh, POCA qui s'est associé avec euh, Valous pour faire ces burgers. Et ces burgers, même s'ils sont parfois un peu critiqués pour les, les prix pratiqués, sont réputés de plutôt bonne qualité, contrairement à pas mal d'autres marques. D'influenceurs, surtout qui sont nombreux à faire ce qu'on appelle les Smash Burgers. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la, la nuance, mais c'est des steaks écrasés, et grillés à la plancha, très très grillés. Et c'est vraiment très à la mode dernièrement. Et j'en ai parlé avec le journaliste euh, food Adrien Gonzalez, qui travaille au Parisien. Il connaît bien le sujet. Il m'a expliqué pourquoi le Smash Burger, c'était le burger parfait pour les influenceurs. La vidéo est un peu longue, mais les trois raisons, je les trouve super intéressantes et ça regroupe tout le reste. Voilà. S'il n'y avait pas eu Deliveroo et Uber Eats, il n'y aurait jamais eu cet engouement. Pour le smash burger c'est un produit qui est hyper facile à transporter il peut euh, vraiment encaisser les euh, 20 30 45 minutes de trajet qui le séparent de la cuisine souvent une dark kitchen de chez toi et arriver en, dans un super état en termes de compétences pour un cuisinier c'est plus simple de faire euh, des smash burgers d'écraser des burgers à la chaîne tu pas besoin d'avoir des années et des années d'expérience pour maîtriser et gérer en cuisine un service où tu vas peut-être débiter des dizaines ou des centaines euh, de smash burgers. Euh, puisque le steak utilisé pour les smash burgers fait 20% de matière grasse, donc est moins cher qu'un steak ordinaire qui lui fait plutôt 5% de matière grasse, tu vas pouvoir soit baisser les prix de ton burger et avoir un produit d'appel qui va faire venir du monde, soit... Euh, faire un produit qui soit aussi cher ou plus cher et là augmenter ta marge et faire aussi euh, une très bonne opération économique. Voilà, donc bon, oui, il s'est remis ses cheveux d'un <laughs> plan à l'autre. Voilà, vous l'avez remarqué. Écoutez, ça a ça, réussi. Les, les aléas du, du direct. Il euh, est intéressant de noter d'ailleurs que POCA et son associé Yann Cédric Mingui ont lancé eux aussi leur système de Dark Kitchen, justement pour accompagner des créateurs de contenu comme Valouz, qui est donc sur un modèle un peu double, à la fois des restaurants physiques et en même temps un système de livraison via des Dark Kitchen. Big Flow et Oli aussi, ils ont investi en 2021 dans une entreprise de Dark Kitchen. Donc en fait, en France ça devient vraiment un, un business qui s'est bien bien implanté, et notamment pour les créateurs de contenu, mais comme plein de stars du, du cinéma, de la musique, qui ont pu investir dans euh, des mets de bouche par le passé, ou ce genre de choses. Mais vous allez me dire, et alors ah bah Parce oui. que je, veux, je vais en venir. Celle qui prône l'amour et les câlins sous forme de, de, de steak, euh, a-t-elle cédé aux sirènes des cuisines de l'ombre Alors, dans une vidéo, elle a l'air de vouloir rassurer tout le monde. Ophé, Ophé, Ophé tes viandes ne sont même pas halal. Mais elles ne sont pas halal. Bien sûr que si elles sont halal. Toutes les viandes elles sont halal. Et t'as pensé au VG Bien évidemment, il y a des viandes version végé Encore une dark Kitchen. Non, 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 tu peux manger sur place. D'ailleurs, il y aura l'adresse juste au-dessus. vous attends. Voilà, alors génial, je me dis, un, un lieu physique, du contact humain, des places pour s'asseoir, c'est top. Sauf qu'Ofenia, elle ne dit pas exactement la vérité quand elle dit ça. Les BGNIA, ces fans, comme, comme, comme ils s'appellent, pourront effectivement venir sur place pour commander. Mais ça sera au, au sein d'un resto déjà existant, un resto italien. Euh, donc, un peu priori rien à voir avec les, les burgers. Et la commande sera se uniquement dehors via le QR code que vous voyez euh, en, en image. Il faudra <laughs> tout payer en ligne. Vous pouvez manger sur place, mais en même temps. Et on ne sait pas trop si ça va durer un jour, deux jours. Mais derrière, il y a quand même une Dark Kitchen, no-brainer, qui s'était déjà associée avec d'autres influenceurs. Donc, bref, en tout cas, voilà, elle dit. Pas vraiment Dark Kitchen, mais en fait, si, quand même un petit peu. Moi, je trouve ce système assez délirant. J'ai dû relire quatre fois l'article qui en parlait pour comprendre un petit peu. Donc, pour répondre à ma question de euh, départ, Jean, je pense ah. qu'il faut que tu relances le Backside Burger. Le beur... Parce que vraiment, je, je crois qu'il y a un filon pour toi, une source de financement indispensable pour, pour l'avenir. Ça a l'air voilà. d'être une vraie photo, en plus. Parce qu'il euh, ressemblait vraiment à ça. Hein. Et ben, bah, <laughs> alors c'est le Burgoose qui est fait notamment par Poca. Ah, Poca ouais. J'ai juste changé la couleur hein, de base, mais voilà. C'est le même pas pas temps. Ça. Bah, Il était délicieux. Merci beaucoup. Merci à vous Vincent. Vincent, pour cette politique. Merci, ça m'a donné faim. Euh, je suis, je suis sidéré. Moi. Et bon courage pour le Covidage, Vincent. Qu'est-ce qui te sidère ah, Je suis à chaque fois sidéré, euh, sidéré. Mais de cet univers-là. Je ah, trouves pas, euh, pas qu'on vit dans la meilleure timeline. Bah ben non, je trouve <laughs> que Macron a détruit ce pays. Il a détruit le cerveau des jeunes. Et les Américains aussi, là, c'est quoi ça Alors moi, quand j'étais jeune, on me disait. À un moment, j'habitais à Boulogne-Billancourt. On me disait à ah, Boulogne-Billancourt, c'est Bouba, il a racheté tous les kebabs. Peut-être, je sais pas. Mais euh, <laughs> ce pas. truc de, de... En fait, tu es un artiste ou tu es un créateur, tu es un créatif, tu te dis, ah ben bah, en fait, la réussite, c'est qu'il faut que j'ai des commerces. Tiens, puis comme JDG couvre son bar, finalement, la ouais. seule chose sûre dans ce, dans ce monde, eh, eh bah, c'est que les gens ont faim à un moment. Ouais, ouais. Et, et c'est un peu terrible. Euh, on, on devrait pouvoir vivre de nos créations sans devenir un petit entrepreneur de soi-même. Et en fait, arnaquer son public, je parle pas pour Fred, je suis sûr que Fred, ton, ton bar, il est super. Euh, mais je parle pour les autres, là. Euh, arnaquer ton public. <laughs> a lui vendre des Smash Burgers et des je sais pas quoi, enfin je trouve ça affligeant. Les, euh, les, euh, les NEM Backseat sont vachement bons. Voilà, vous les aurez tout à l'heure, oui, vous oui, le public oui. vous allez pouvoir les bouffer. Vous verrez, ils sont absolument excellents. Chers amis, je vous propose qu'on enchaîne avec une séquence extraordinaire. C'est parti pour le quiz à la con Alors... J'ai bien dit le quiz à la con, ça va pas être un jeu à la con. Ah soir, Dieu, merci, Dieu merci, c'est le retour du quiz. Oui, c'est moi qui ai un peu insisté et du Génial. coup, euh, oh, à peine. François et Laurent se sont arrachés les cheveux pour nous pondre un quiz à la con. C'est un quiz à la con spécial modem. super content. Puisque wow. Richard Ramos, wow. notre invité politique dans la deuxième partie de cette émission tout à l'heure, était un député modem. On s'est donc dit tiens, et si on faisait un quiz à la con spécial modem Vous êtes prêts Je suis bon. vraiment super content. Hein. Vous connaissez le quiz à la con, je vous pose des questions, je vous donne quatre propositions de réponses, vous essayez de trouver la bonne réponse. Et, euh, et voilà, retour aux sources, le coup et la con, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Première question, lequel de ces titres correspond à un livre de François Bayrou oh. Réponse A, Récréation française. Mm -hmm. Réponse B, Révélation française. Réponse C, Résolution française. Réponse D, Retraite par répartition française. <laughs> D'après vous, lequel de ces titres correspond effectivement à un livre publié par ce cher François Bayrou. Je dirais la A ou la C, j'hésite. Moi, je dirais C. Toi, tu dirais C, Résolution française Ouais, parce que mmh. voilà, c'est que... ouais, un jeu de mots. Ouais, genre on enlève une lettre, une euh... Révolution. Moi, je dirais la B, parce qu'une des, des premières personnes que j'ai enquêté, c'est un conseiller municipal UDI qui m'a dit qu'il avait mangé un jour avec lui, que c'était un fou de Dieu euh, absolu, et que donc je penche pour la révélation. Ah ouais Je pense qu'il s'y est un peu cru. On ouais, a quand même une information importante tu déjeunes avec des gens de l'UDI Non, non, j'interview <laughs> des gens qui ont déjeuné avec François Bayrou. Ah, pas c'est C'est ouais. un beau métier quand même. C'est très, très indirect comme contact avec Bayrou. Et euh, Bayrou, un fou de dieu. Le modem burger. Ouais, un peu un illuminé quoi. Ok, ok, ok. Mais ah okay, okay, okay. <laughs> <laughs> je pense, des, des rumeurs. Bah c'est la démocratie chrétienne, hein, tu me diras. mais, mais ouais, ouais, ouais. Moi je l'ai croisé une fois Bayrou. Comment il va euh, il, est, il avait pas l'air sympa, voilà, je voulais le dire. D'accord. <laughs> voilà, si on peut <laughs> voilà. mettre les deux informations ensemble. Voilà. Euh, donc euh, allez, toi tu, tu tentes résolution Ouais, voilà, là c'est. Réponse C pour la tifa. Est-ce que je fais comme Léa, C'est j'en prends une autre pour déconner <laughs> Et t'as zéro à la fin. C'est méchant que le <laughs> oui. bouquet de Léa, elle est, est pas là. Léa jouait comme ça. Léa jouait comme Elle dit ça, Eh ben, bah, puisque personne ne l'a pris, eh bah, je vais prendre récréation française. Voilà, hop. Donc et Je prends réponse A, récréation française. Voilà. Et bah, la B, la B, je, je tiens qu'on a... la réponse B, révélation française. On a trois réponses. Je pense que c'est la C quand même. Le chat a voté réponse C et c'était la bonne réponse. Voilà. Réponse C, bravo la Latifa. Ouais, ouais, ouais. Il ouais, ne ouais, ouais, ouais. faut pas jouer ouais. comme Léa. Ça Résolution française. Hein Bravo La Résolution lui, française est parue en 2017 aux éditions de l'Observatoire. Nous l'avons tous lu, bien entendu, pour préparer cette émission. C'est faux. Pour la, quoi. Ouais. Est la fin n'est pas, 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 pas ouf. enfin, euh, le non, début non, est bien. La, la, la est fin, il pas, hein. explique pourquoi il soutient pas euh, Macron. Oui. Euh, deuxième question de ce quiz à la con sur euh, sur cette photo. Que regarde François Bayrou Regardez la photo. À lui-même. Normalement, la photo va arriver. Vous allez voir. Le petit enfant oh. qu'il vient de gifler. <laughs> Qu'est-ce qu'il y a par terre devant la voiture là. Pas, là. Un chien qui l'a renversé en bagnole. Tu sais. Alors, que regarde François Bayrou sur cette image Réponse A, Quentin, un photographe de West france <laughs> Réponse B, Elliot, une tortue qu'il a sauvée. Réponse C, Volta, le chien de Gabriel Attal. Le kebab. Réponse le kebab. D, Gabriel Attal. <laughs> C'est vrai qu'ils s'entendent très bien. Non mais bah c'est une tortue, non Mais je sais rien. Elliot, ouais. Il vient de la sauver ou il l'a remet sur la route pour qu'elle soit écrasée Écoute, je n'ai pas le contexte de cette photo, est-ce qu'il est vraiment rentré avec sa bagnole dans bah, je pense qu'il voulait pas l'écraser et puis là il va la ramasser quoi. Mmh, donc il y a un photographe quand même qui s'est ah, mis je... par terre pour le prendre en contre-plongée. Bah, c'est vrai qu'il faut euh... que quelqu'un le prenne en tu sais, photo. C'est les hein. photographes de West France, ils sont prêts à tout, hein. C'est vrai. C'est les c journalistes, c des gens comme ça intégral, mais là, il a beugné le photographe je crois, <laughs> avec sa bagnole. Il On a impeccable. la date. Euh... Bah ouais, euh... moi je vais prendre Quentin, le, le photographe de Ouest-France. Si ça vous intéresse, c'était il y a 4 ans. Voilà, vous le saurez. Ça ne m'a pas intéressé. Euh... Je vais prendre. Ça ne m'a pas donné d'idée en tout cas. Je vais prendre la tortue quand même. Mais la tortue, c'est Mélenchon, normalement. Oui, mais bah, il oui, mais... a peut-être roulé dessus un marché hier après. Je sais ouais, pas. C'est <laughs> Plus personne d'autre a le droit de sauver des tortues. <laughs> la, C'est l'animal si... totem de Mélenchon. C'est déposé okay la tortue. tortue. Il <laughs> n'y a que lui qui va le week-end. Euh... Alors, vos réponses La tortue, la baie. Toi, tu dis la tortue. La Elliot. Baie tombera bien, un jour. Okay. Et elle a un nom en plus. Elle a un nom, elle s'appelle Elliot. <laughs> Si elle existe. Hein. Pas un point. Donc réponse B pour Emilien. Après, c'est con parce que c'est le photographe, il devrait l'avoir dans les yeux du coup. Donc ça marche pas, mon truc oh, de regarde photographe C'est genoux pas. Bah oui. Ah, oui c'est peut-être un autre photographe qui a pris la photo. <laughs> alors que la tortue peut pas prendre la photo. Donc d'accord, bah la tortue alors. La tortue aussi, réponse B pour Usul, la Tifa Bah je l'ai dit depuis le début, la réponse B. Pardon, bah réponse B pour <laughs> la Tifa, ok, depuis oui. le oui. début. Par, le, le chat le a voté pour, pour, la pour la réponse B également. C'était la bonne réponse, bravo, on a l'image On a l'image. Voilà, c'était ah effectivement. Euh, c'était effectivement. Eh, c'est bien une tortue que François Bayrou regarde. C'était il y a 4 ans. <laughs> il était suivi par un journaliste de Ouest-France qui s'appelle Quentin Top, ah qui a pris la photo. Pour ça, qu euh, fait quand, quand il s'est arrêté devant la tortue en évitant de peu de l'écraser. Quand le journaliste a publié la photo, la propriétaire d'Eliott s'est manifestée et a pu la récupérer. Mais wow. elle s'imagine tu lis Ouest-France, tu, tu regardes ta tortue, oh, c'est ma tortue. Qu'est-ce qu'elle fait avec Bayrou mais... <laughs> Elle est partie il y a deux ans à tortue pour qu'elle tente de s'enfuir de chez elle pour aller de chez François Bayrou. C'est vrai que les fuites de Tortue c'est rare. Oui, oui je t'accorde que les fuites de Tortue ça va être rare. Quoi. Mais euh, je trouve ça très drôle que la photographe, que la propriétaire de la tortue ait eu besoin de regarder la photo avec Bayrou pour se dire. Il l'a reconnue. Elle a tortue. C'est vrai, C'est Elle est fan de Bayrou depuis le début. Ouais. <laughs> Et c'est pas devenu une smash tortue. Tout va bien. Donc voilà. Troisième question. En 2009, lors d'un meeting à la mutualité à Paris. Une des têtes de liste du modem aux Européennes a dû improviser une activité avec les militants avant la prise de parole de François Bayrou qui était en retard. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait Aucune des têtes Réponse de liste. A, oui. un concert de flûte à bec. Oui. Réponse B, une balle au prisonnier. Réponse C, une dictée. Oh. Réponse D, un concours de cravate. C'est tellement une dictée. Non, c'est une balle au prisonnier. Donc la D est, est, est dé toujours fausse sûre parce qu'elle est un peu vraisemblable celle-là. C'est pas toujours sûr que c'est faux la D Le alors. concours de cravate. Euh... C'est très modem. C'est très sexy Oui oui ils sont là, genre. Euh, voilà, il y a poids. Il n'y a pas un député modem qui est toujours en un costume jaune dégueulasse. Euh... Si, je, euh, Lucien de Gauchy. Ah ouais. wow, il s'habillait ah ouais. en jaune là, y poussin y pour se faire reconnaître à la oui, télé dans les et, QAG. Et il venait vers la caméra pour qu'on voit son costume mode. Et sur ma chaîne, il y a 10 ans, il y avait une imote, Lucien de Gauchy. Wow. Ah ouais. On se faisait chier dans les QAG. Hein. Mais on avait une imote, Lucien. Et dès qu'on voyait ouais. Lucien apparaître à l'image, parce qu'il se démerdait pour toujours être dans le cadre de l'image, euh, les gens, ils se plaisaient dans mon chat. On se il marrait avait, sur ma, il ma en, chaîne. Il un avait à masque. C'est ça. Euh, donc tu as raison, oui. Bah moi, je, je vais donner dans la cravate. Il était UDF. Euh, toi, tu dirais concours de cravate Ouais, ouais. Concours ah, de folie, cravate, quoi. modem, d'accord. Ouais, ouais. Il devait se en attendant que Bayrou arrive. Mmh. Non, en même temps, ah, il est ralenti ah par des tortues, forcément. S'il ah, si sauve tout le monde au passage. <laughs> C'est ouais. ça, <laughs> à cause d'Eliott qu'il n'a pas pu venir. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous euh, moi je suis sûr que c'est... Enfin je suis sûr. Je, <laughs> je le sais. Je, je crois étais. à la dictée. C'est très l'ambiance chiante. On va rigoler, on va faire une petite dictée. Oh oui, et puis tu sais, c'est bien, y a les vieux, les jeunes, tout le monde peut participer. Les hommes, les, les jeunes, femmes, non, la cravate hein. c'est excluant, la balle aux prisonniers, t'en as qui boîte et tout ça. <laughs> non non vraiment, le concert de flûte à bec n'en parlons même pas. faut euh, avoir la flûte à bec, quoi. Moi je dis ah, la dictée c'est inclusif, c'est chiant. Euh, C'est modem. Ouais 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 ouais. D'accord. Réponse mmh. C du coup pour Usul. Mmh. Latifa, qu'est-ce que t'en penses Non, balle au prisonnier. Toi tu dis la balle au prisonnier, réponse B. Et le chat répond, réponse D, le concours de cravate également. Avec George Jacqueline Gourou en balle au prisonnier et, bah, et pourquoi pas Bon, d'accord. C'est ouais. très méchant. C'est très méchant. T'as <laughs> <très méchant. rire> sous-entendu que c'était une cible facile pour la balle. Euh, <laughs> C'est ce que Je voulais dire... alors je vais, vais m'arrêter là. Personne n'a la bonne réponse. C'était la réponse A. Oh là là. oh là là. Concours de flûte à bec. Oh là, là. Un concert. Ah oui. concert. Oui. oui, un concert. Un concert un de à la flûte à bio, bec. Quoi, sans doute. Vous le saurez, c'était Arthur ah, ostend ouais. qui était quatrième de liste, a sorti une flûte de son sac pour improviser un concert. Un militant s'est alors levé et a lui aussi sorti une flûte. <laughs> Qu'est-ce qu'on se marre au MoDem Il y a des gens qui se promènent avec leur flûte et ah puis... bah tu, tu viens à puis... un meeting de Bayrou avec ta flûte évidemment. Et puis ce sont pas dit un meeting politique de la flûte peut-être que ah, le message ouais. il est pas non bref pas ouais. après, ouais. après, on va dire comme com, euh... non euh, non, euh... non c'est un peu des magiciens aussi quelque part ça se trouve. Quatrième question de ce quiz à la con. Qu'est-ce que François Bayrou et Alain et Alain Juppé M échanger oh, oh, je entre sais. eux. Ah, si tu le sais, tu ne <laughs> donnes pas la réponse. Je ne Réponse A, un classement des membres du gouvernement. Oh, réponse B, leur légion d'honneur. <laughs> réponse C, des SMS en latin. Réponse D, des tutos call-off de Jordan 9320 20 <laughs> Fallait qu'on le mette. Fallait qu'on le... Oui, le, ouais, qu le mette. Excellent. Oh oui. Euh... Euh, le, plus, bah, le mieux c'est le A. Il hein. y a quelqu'un dans le chat qui dit Le lor modem c'est terrifiant. <laughs> c'est un peu glauque, euh, ouais, mais ouais. c'est le modem, c'est un parti euh, important. Ouais. Les SMS en ah, latin. Bah pourtant. ouais, moi je vais peut-être pencher pour ça. Hein, des Les SMS, SMS en, en latin, latin hein. Entre Bayrou et. Ah Depuis qu'on m'a dit qu'il était illuminé, peut-être qu'il est promesse en latin. Illuminus ça. Maximus. Alain Juppé, et François Bayrou échangent des SMS. Ouais, ouais. Je sais pas. Je connais la réponse, c'est un peu terrifiant c'est donnes... toi qui donneras la bonne réponse après Moi j'aime bien la Ah je les vois bien euh, nia, 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 Tu vois En vrai ouais Comme pour, oh, bicher, un peu, ah ouais, pour bicher un peu Depuis le temps qu'ils y sont Genre ils le font tout le temps à Chaque remaniement et tout Mais ouais Le gouvernement pour eux c'est Tu sais ils y sont de temps en temps Des fois non Mais bon ça reste un truc qui les intéresse <laughs> On sait jamais qu'ils y retourneraient <laughs> euh. Et donc comme ça ils sont là Il est nul lui Ah bah oui moi je l'aurais pas mis là nia, nia, nia. Je, je vois bien faire à moins, Après je sais pas s'ils sont potes de ouf quand même Je suis pas sûr c'est des, des vieux de la vieille, donc ils doivent avoir des une des forme besties, de. tu vois, on n'en sait rien. Mmh. Enfin. Ils leur mettent des étoiles, genre Ouais Comme, euh, ouais, comme Google. Comme au chauffeur Uber. Qu'est-ce que t'en ouais. penses, toi, Latifa Tu restes sur les SMS Je me dis un classement des membres du gouvernement. Ouais, je reste me dis, voilà, ils sont. Voilà. C'est trop sont long à écrire. Ils sont leur petit top 5. <laughs> Franchement, c'est un peu long à écrire. Ils sont pas. Euh, voilà. Ils font les tops et les flops, comme dans Le Point. Donc toi, usule tu restes sur oh. les classements du membre du gouvernement. Ouais, moi, je ferais ça, si Réponse un A. un gars comme ça. Si je... <laughs> ça se trouve, c'est ce qu'on fera, toi et moi, plus oui, tard. Oui, <laughs> voilà Vraiment, on aura que ça à foutre. Les plus nuls. Euh, Latifa, tu restes sur les SMS en latin. Ouais. Le chat a voté, comme toi, Latifa, pour les SMS en latin. La bonne réponse va vous être donnée par Émilien. C'était les SMS en latin. Oh, oh, latin. C'est tellement pas drôle parce que Juppé est un ancien cagneux et puis Bayrou était prof de français, je crois. Et donc ouais. en fait, ils font des échanges de SMS en latin. Genre, oh, je suis encore pas les voilà. C'est une anecdote. <laughs> euh, C'est une anecdote qu'on qu qu doit à François Bayrou en 2015, alors en guerre contre la suppression des options latin et grec de la réforme du collège prévue par Najat Vallaud-Belkacem. Donc voilà, il avait lâché ça comme info. C'était même pas ouais, une ouais, ouais, moi, avec Juppé, on des L'argument était limite parce que pouvoir textoter Alain Juppé, je pense, c'était vraiment. <laughs> cinquième et dernière question de ce quiz à la con. Quel surnom se donne François Bayrou Ouais, ouais. Réponse A, Highlander. Réponse B, Rondoudou. Alors... Réponse C, Super Mario. Réponse D, François 9320. Euh... Non, bah oui, Highlander. Il hein. oh ouais. y a des gens qui se donnent eux-mêmes des surnoms. Oui, c'est bizarre. Ouais, oui. Un... Et ils le, ils le disent aux gens. Enfin, ouais. Ils m'appellent <laughs> comme ça maintenant. <laughs> Je suis le Super Attends, Mario. C'est quoi déjà le surnom que, qui, est, qui est donné à, à Macron par, par ses officiers de sécurité c'était sorti dans la presse ce truc-là, genre c'est Phoenix un truc comme ça, oh, euh, ouais. un espèce de délire. C'est pas Jupiter mais c'est dans le même genre. Ah ouais, comme Sarkozy où il l'appelait Zébulon. Euh... Z... Mmh. Ah, mais bon. non bah ouais non, Highlander je vois bien le gars. Alors on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas le surnom, excusez-moi petite correction, ce n'est pas le surnom que se donne François Bayrou, c'est le surnom qui lui est donné par son entourage, mais qu'il préfère. Ah cher. Et bah oui c'est lui il a choisi quoi. Il a fait un benchmarking <laughs> et il s'est dit c'est vachement bien. <laughs> Eh ben, je pense, ouais. Moi je dirais rondoudou. En plus ça marche aussi en latin. C'est lourd. C'est vrai, rondoudou en latin. Genre, il... Les gens s'endorment quand ils parlent. Il a dit, ah, ça c'est bien, ça. Super Mario, il saute pour des Super pièces, Mario, c'est italien, le latin, pareil. Wow, c'est oh, oui, Super Mario, c'est de l'italien. <laughs> Tout ça. Puis, il vache... François, il limite vachement bien. Ouais. Le Super Mario, il j'imagine. Non, Islander, bah, ouais. là, là, quand même. Pour Donc, les jeunes, Islander pour euh, Emilien Ouais, c'est moi. Islander aussi pour Usul rondoudou rondoudou réponse B pour Latifa le chat a, répond, a voté réponse A Highlander et c'est la bonne réponse réponse mmh. A effectivement on a découvert en 2020 dans Le Point euh, je cite à force d'épreuves surmontées et de trahison François Bayrou a hérité au modem d'un surnom qui n'est pas pour lui déplaire Highlander ouais Oh, les donc, entre vous, faut... Highlander, c'est un vieux film des années 80. Tout ça, vous n'avez pas raté grand-chose. Euh... Donc, si je comprends, il n'y a pas eu de questions sur ce haut cadre du, du modem qui a été forcé à démission parce qu'il avait été chopé en train de se euh, squeeze le Gotaga dans un castorama. Ah ouais. Wow, mais c'est oui. quoi toutes ces informations ce soir-là <laughs> Too much, ah. Emilien, too much. Alors qu'il y avait des enfants dans l'allée d'à côté. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Ah, c'est extraordinaire. Euh... Bien, merci à vous, bravo pour ce quiz à la con. Ce ah. squeezy le Gotaga. <laughs> c'est ah, oui. le Gotaga. je, je c'est surtout public, ça. Si, là, si, pour si. Mais euh... maintenant, Gotaga, en plus, ce... maintenant, c'est lié à Bardella, pas ouais, enfin, le Lord. Ce, ce, ce Giscard, ouais, le ouais. Destin, quoi. Ah ouais. ouais Se décrypter le Hugo. <rire> <rire> ah ouais, franchement. On en Moi, je reste sur Celebrant James. Se massier le Jean. Merci le gens, ça marche bien euh, Qu'est-ce que je voulais dire Merci à vous, chers amis Merci à vous qui regardez cette émission Backseat On arrive bientôt à la fin de cette troisième saison de Backseat La, la dernière émission de la saison aura lieu la semaine prochaine On va décrypter ensemble les euh, résultats des élections européennes Et ce sera la dernière émission de la saison euh, On espère bien revenir pour une quatrième saison Et on ne le fera que si vous donnez de l'argent Pour nous permettre de la produire, cette émission Je vous rappelle que c'est sur KissKissBankBank que ça se passe C'est sur KissKissBankBank que vous êtes plusieurs centaines Plusieurs milliers même à participer financièrement à... Euh, la réalisation de cette émission. Merci à vous euh, pour vos abonnements. N'hésitez pas à rejoindre le club Backseats. Vous recevrez votre carte par la poste. Vous allez adorer, etc. Chers amis, d'ailleurs, ce soir, il y a le retour des cartes blanches également. On passe aux cartes blanches. Je vous ai proposé à mes trois, euh, créa à mes trois euh, créateurs de contenu. créatifs Waouh. Wow. Je suis fatigué. Je suis euh, ça m'a donné faim, là, le truc des burgers. Mm. Euh, mes trois euh, chronique ah, et chroniqueurs, hein. je vous ai proposé des cartes blanches. Vous êtes les bienvenus pour venir apporter un sujet sur la table, un truc qui vous a marqué, un truc qui vous donne envie de parler, un petit shoot-out. Émilien, ça va si on discute avec toi Tu voulais parler des, des électeurs ordinaires <coughs> Tout à fait. Sur le Front National. C'est le titre de ce, de ce superbe livre donc de Félicien Forry, qui est un docteur en sciences politiques. Euh, actuellement, il est en postdoc à, 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 au CSDIP, qui est un donc, laboratoire de la saint Quentin. Où il travaille sur la su vidéosurveillance. Après, il va travailler sur les groupes armés d'autodéfense. Enfin, il a des sujets un peu chouettes. Et donc, il a sorti un livre de sa thèse qui s'appelle Des électeurs ordinaires enquête sur la normalisation de l'extrême droite. Et où, euh, donc, donc, il, il parle de, de son expérience qui a été pendant cinq ans euh, d'aller sur le terrain dans un coin en Paca et d'aller interroger longuement plusieurs fois parfois des électeurs du RN pour comprendre leur motivation. Et euh, on va dire la, la force un peu du bouquin, c'est de prendre à bras le corps la question du, du racisme euh, à la fin des électeurs RN, mais pas que, euh, pour donc comprendre quel rôle ils joue dans leurs motivations. Donc euh, bon, il y a quand même un constat premier qui est que oui. Il y a des opinions racistes. J'espère Je, ne pas trop en choquer, mais il y a des opinions racistes. Tu veux dire que l'extrême droite les... serait raciste Pas que. Et des électeurs ont aussi parfois des opinions racistes, mais euh, euh, très claires. J'ai des, 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 des exemples de, 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 de gens qui, par exemple, font des tests sur en lesquels fait, ils sont invités par leurs voisins turcs qui demandent s'il faut se déchausser, parce que comme ça, c'est comme à la mosquée. Et donc, si le type dit, si le type dit oui, ça veut dire qu'il est peut-être un islamiste. Euh, des exemples de coiffeuses qui augmentent le prix quand c'est des Femmes musulmanes qui arrivent, ou euh, des trucs encore plus extraordinaires, comme des gens qui ne vont plus dans le café du coin parce qu'il y a des arabes qui viennent, et du coup, le type a moins de clients, et du coup, il doit le revendre le bar à un arabe. Et après, les gens disent, oh, on ne peut plus y aller, c'est tenu par un arabe, et en plus, il n'y a plus de femmes, alors qu'il y a déjà plus de femmes quand euh, c'était tenu par, euh, par euh, le oh, précédent propriétaire. Donc, il y, y a des. Y, y, on lui dit des choses quand même que qui m'étonnent un petit peu. Euh, soit, ça t'étonne Non, mais que ce soit dit ouvertement à quelqu'un qui ne connaisse pas, ça m'étonne. Qu'ils n'aient qu pas eu le, le. Mais apparemment, il n'y a pas tellement de, de freins. quoi oui, de surmoi. Le surmoi n'est ouais. pas tellement là, ou alors il a très très bien enquêté. Euh, mais et, 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 et la force, l'argument aussi, aussi du, du bouquin, c'est de réinscrire tout ça dans, euh, on va dire, la situation sociale des enquêtés pour mettre enfin fin à cette question de en fait, est-ce que c'est des électeurs qui sont juste racistes ou est-ce que c'est des fâchés pas fachos euh, mmh. euh, Ça ne va pas, la gare, à la fermé à côté de chez eux, du coup, ils sont mis à voter RN. En fait, il explique que. Tout ça, c'est lié, par exemple, euh, des gens qui ont des envies de, de ségrégation euh, résidentielle, qui voient se développer les HLM à côté de chez eux, qui voient parfois des maisons à côté de chez eux être rachetées par des gens qui n'ont pas tout à fait une couleur de peau qui leur convient et qui donc ont envie de s'enfuir, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter les, les belles villas euh, résidentielles un peu euh, ségrégées des hauteurs de la PACA et qui donc euh, ont cette, cette peur de se voir envahir, n'ont pas les moyens de se créer ce ghetto-là. Et donc, bon, peuvent tirer ça dans un, vote, dans un vote RN. Il y a évidemment la question de, des allocs. Nous, on est les petits moyens, on n'a pas d'argent pour avoir les allocs, euh, alors que les immigrés, ils en ont. Il y a le côté, mmh. euh, l'école se dégrade, euh, il n'y a plus que des Arabes dans les écoles euh, et je n'ai pas l'argent pour mettre mes enfants dans le privé. Ou alors, si je les mets, euh, ça va me saigner aux, quatre, aux, aux 80. Donc, euh, tout ça montre qu'il y a un mélange de... Bon, de, de, de préjugés racistes très clairs et d'une situation sociale qui fait que, comme il le dit bien, en fait, c'est un peu des, 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 des dominants dominés mmh. de l'hierarchie raciale, c'est-à-dire que à la fois, bon, bah, ils sont blancs euh, pour la quasi-totalité, donc ils sont bien positionnés dans cette hiérarchie-là, et puis en même temps, ils n'ont pas tous les moyens de mettre en place toutes les stratégies qu'ils voudraient pour se prémunir de, des gens pas blancs. Bon, ouais. Il y a même un chapitre qui s'appelle Les votes blancs, euh, très, très habilement euh, nommé, et donc euh, c'est cette situation-là qui les fait, euh, qu fait voter RN, et, et, et je conclurai juste par un, un petit peu une, une perspective qui l'ouvre en conclusion sur... Euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire C'est une question qui est toujours un peu délicate pour un chercheur, qu'on n'est pas censé vraiment poser. C'est mmh. un livre d'intervention quand même un on, peu. Donc, euh, bon. ah bah, il dit les termes, comme, ouais. comme disent les jeunes. Euh, <laughs> voilà, je ne sais pas quoi, choc-barre de baiser. Cas, <laughs> c est, c est, et, et donc à la fin, il dit bon, bah, quelle est la stratégie Parce que finalement, le fâché pas fâchot, à un moment donné, il y a un problème, c'est que un, euh, c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont des opinions racistes et ils font pas ça par. et votent pas RN par accident. Mmh. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils, ils eux, savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font et pour eux, le problème, c'est les immigrés. Et ça, c'est leur première motivation. Donc, il y a un, un problème de, si on considère que c'est juste une question sociale. Et puis, par ailleurs, ils ont vraiment des opinions, on va dire, plutôt de droite sur le sujet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'assistanat c'est assez mal, mmh. on réussit sure. par le travail. Euh, euh, et surtout, on ne peut rien faire contre eux. Les choses qui arrivent de mondialisation économique, de déstructuration de l'État, enfin, choses comme ça, on n'y arrive pas. Et donc, lui, il dit bon, bah, d'abord, euh, il faut arriver à desserrer ces deux aspects-là en même temps. Donc, c'est-à-dire que si on, si on abandonne sur l'un ou sur l'autre, ou si on dit oh, mais vous avez raison d'être raciste, mais en fait, si on vous met un peu plus de, de, de pharmacie, ça ira mieux. Non. Et puis, par ailleurs, il dit euh, il faut qu'elle soit investie à la fois sur le terrain local parce que c'est les gens qui aussi discutent entre eux ils se renforcent en fait dans leurs impressions que bon bah le quartier n'est plus comme avant etc donc il faut que ce soit sur le terrain des gens qui leur parlent parce que euh, euh, sinon c'est ils ont l'impression que c'est des élites culturelles euh, ouais. qui leur parlent d'en haut et c'est aussi une question plus générale de tout le système politique, médiatique, okay. etc., qui qui, qui penche là-dedans et donc ça, ça donne matière à réfléchir. C'est pas très long, c'est au seuil. Donc, on 23, rappelle le titre pas. du bouquin des électeurs ordinaires. Félicien euh, De Félicien, de, de félicien phorie, 21 21,50. Euh, au pire, euh, empruntez-le ou volez le mais b euh, <laughs> <laughs> euh, merci. Lisez-le. Je vais te l'emprunter. Merci beaucoup, euh, Émilien, pour cette carte blanche. C'était passionnant. Mm. Euh, on continue Usul. Ouais, Il ouais, faut que je passe après parce que moi j'enchaîne. Bah oui, ça a sens. – Ah non, non. Oui. Dit entre racistes. <rire> <rire> Enchanté. C'est moi, c'est Emilien. Les blonds se passent la parole. Non mais bah, c'est terrible. On prendrait quand Oui. Parce que moi aussi, je voulais parler de racisme <rire> <rire> à la place euh, à la place de toi, voilà. — On va parler de, des cartes de presse, notamment. C'est parti de là. Enfin, euh, c'est parti de là que moi, ça m'a donné envie d'en parler, parce qu'on n'en on en a pas beaucoup parlé. Il y a aussi du racisme, figurez-vous, dans, dans le monde du journalisme. Et pour les journalistes eux-mêmes, euh, c'est l'association le, le, des journalistes antiracistes et racisés, l'Ajar, qui est une association très nouvelle, qui a, qui a fêté ses un an il n'y a pas longtemps. Il y a quand même 200 personnes qui ont, qui ont adhéré à cette association, des gens qui travaillent dans plein de, de rédactions différentes, souvent à des postes... Vous savez, pas les, les journalistes racisés vont pas forcément avoir les meilleurs postes hein, pour avoir des quotas... Dans dans les rédactions, ça va être souvent des postes en alternance, etc. Donc, c'est des gens qui vont souvent être aux postes les plus précaires. Et puis, arrive par, par, parfois le moment de la, de la demande de carte de presse. Et ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est que, apparemment, ce n'était pas possible de faire une photo euh, avec. Si tu es une femme, de garder ton voile sur la photo. Là, la commission de la carte de presse a exigé, euh, exigé qu'on retire le voile, voilà, exprès. De la même manière que cette commission a pu exiger euh, pour les personnes trans qu'il y ait leur dead name dessus. Donc, voilà, y a, cette commission, c'est compliqué parce que c'est une commission paritaire. Dans laquelle euh, siègent à la fois les syndicats et, 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 les, et les employeurs euh, ouais. à 50-50. Et bah c'est évidemment ces employeurs euh, qui bloquent. Qui bloquent. Euh, ah pourquoi F C'est dead. Non 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 ça revient c'est revenu F5, ah, euh, F5 les copains. F5 les copains. C'est chez vous le bug. c'est ouais. pas est de Martin est totalement Règle. chez nous. Et, et, et donc voilà bon ça reposait en gros il euh, y a un article qui est sorti aujourd'hui euh, de Donia Ismail dans Slate qui refait le point sur toutes ces situations là et euh, moi j'avais demandé à ce qu'on montre un premier graphique d'abord j'ai deux, deux supports euh, j'ai wow. deux supports aujourd'hui wow. ouais 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 euh, parce que je pense qu'on peut pas comprendre ça je peux pas on peut pas comprendre ça si on comprend pas que euh, dans un pays raciste euh, un pays peut pas devenir aussi raciste sans une presse raciste à un moment une presse qui laisse faire une presse qui n'interroge pas Bardella sur son racisme. Racisme, qui n'interroge pas le racisme de Bardella, mais pas plus que le racisme des électeurs de Bardella. C'est pour ça que le bouquin euh, est intéressant aussi. Et je l'avais cité dans un dans un, un rhinocéros sur lequel ouais. je parlais du racisme. Il tel était il content était... d'ailleurs. Hein il était content que tu le te... Il était content que j'ai cité. Oui. Ah, bah, tu lui passeras le, le bonjour. Bah, euh, dans, dans lequel, euh, voilà, on n'interroge pas le racisme et, et le racisme. Il y en a dans les rédactions. Et c'est sûr que si on le voit déjà pas dans les rédactions, ça va être dur de le voir chez Bardella. Je voudrais qu'on passe au deuxième slide. Euh, par exemple, dans Libération, euh, le journaliste Jean Quatremer cette semaine sur Twitter a publié ça. Alors là, c'est intéressant parce que c'est de l'islamophobie chimiquement pure euh, et du racisme euh, isla version islamophobe. Donc en gros, il y avait une photo avec euh, Louis Boyard au premier plan et puis derrière il y avait un jeune qui avait l'air arabe. Voilà, en gros là, il a été flouté. Euh, la, la, la photo, la capture est extraite de l'article de Pauline Bock qui est sorti aujourd'hui sur sur image. Et puis dans les réseaux d'extrême droite, de Reconquête, etc. On a dit, ah, c'est marrant, c'est un peu pareil, vous voyez, Porcinet devant, qui a, qu a l'air heureux, et derrière, euh, Jafar, qui en fait, lui, eh bien, il complote, et c'est le vizir méchant qui complote. Donc là, pourquoi je parlais d'islamophobie Parce qu'on ne connaît pas du tout la religion de ce, ce garçon-là. Mmh. On la suppose, c'est un musulman d'apparence, comme on dirait. Barbu. Un, voilà, bon, bon il a une barbe, oui, d'accord, mais enfin, bon, il y en a d'autres. Hein. Et euh, c'est un musulman d'apparence, donc, hop, ça devient typiquement vous voyez le ressort, hein. si les musulmans donc, c'est que les musulmans ils sont dans l'ombre ils font des complots, ils font la et en fait ils veulent renverser la république avec les idiots utiles devant qui sont blancs mais qui l'islamisme en fait et instrumentalise la France insoumise, qui instrumentalise les banlieues avec l'islamisme et, voilà, et ce, ce truc là qui avait germé en fait dans les réseaux de, de, de l'extrême droite s'est retrouvé sur le Twitter de Jean Quatremer très content, Jean, Jean Quatremer journaliste pour Libération spécialisé dans les questions européennes qui est donc à Bruxelles la plupart du Temps et ça a beaucoup choqué, ça a beaucoup choqué, euh, y compris donc sur Twitter, bien sûr, mais ça a choqué aussi d'autres journalistes à Libération qui ont voulu régler, d'après ce que nous dit Pauline Bock, les affaires en interne mmh. et dire non, mais là il y a un problème quoi, que c'est pas possible. On n'aurait pas accepté, Enfin il y, y, y a des situations où on n'aurait pas accepté qu'ils fassent un truc antisémite de je sais pas quoi, ça aurait été évident pour tout le monde. L'islamophobie par contre, ça passe, ça passe dans beaucoup de rédactions et c'est dites-vous que. Euh, si Libé continue à accepter des trucs comme ça, quel message il envoie aux journalistes qui arrivent après, aux jeunes meufs journalistes qui arriveraient, qui seraient musulmanes ou, ou garçons d'apparence musulmane comme Jean Quatremer euh, voilà, se les figure, quel message tu envoies à une profession qui déjà est euh, très peu accueillante pour ces gens-là. Elle, elle est déjà très peu accueillante pour les prolos, déjà tout court euh, de base. Mais alors, euh, voilà, il y en a qui, en ce moment, on est en train de parler beaucoup des, euh, des musulmans qui se cassent. Vous savez, il y a un, un bouquin qui est sorti qui s'appelle, je crois, La France, Tu l'aimes et tu la quittes. Oui, de Julien Tu l'aimes et tu la quittes, de... je crois. Ouais. Tu l'aimes et tu la quittes. Oui, c'est ce que j'ai dit, je crois. Non, mais tu la quittes. Ah, tu l'aimes, mais tu la quittes. T'as raison. Et, euh, et, et voilà, il y a des gens qui euh, trouvent, commencent à trouver ce pays irrespirable. Euh, et c'est particulièrement vrai dans la presse, c'est vrai dans les médias. Et je voudrais en profiter pour saluer un camarade. Là, qui a commencé à faire un peu ses valises et à partir. C'est Malek, vous remarquez ouais, qu'il n'est pas avec nous euh, ce soir, il est à Casablanca. Voilà, on est en train aussi de perdre des gens avec cette atmosphère-là, cette atmosphère-là dans les rédactions, cette atmosphère dans le pays aussi. Et, 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 et ça nous conduit une France voilà, qui ne veut pas voir son racisme, ne veut pas le travailler. Et, et voilà, ce déni-là, euh, il va peut-être falloir qu'on en sorte parce qu'on est franchement mal barré. Il ne faudra pas s'étonner après des scores de, de Bardella. Voilà. Malek ne quitte pas Baxi pour autant, hein. on non. continue à travailler avec lui. Non, non, lui, mais euh... il commence à poser ses valises à, Casa à, ses valises à Casablanca. D'ailleurs, on a une petite vidéo de Malek euh, qui voulait vous passer un petit big up ce soir, justement. Yo la team Baxi, je suis pas avec vous, mais je vous fais un coucou. Voilà, on vient d'ouvrir un studio à Casablanca. Euh, je crois que je viens de vous en parler, je vous fais des bisous. Incroyable. Prenez soin de vous, j'ai hâte de vous revoir. On se revoit semaine prochaine, je crois. En tout cas, je passe vous voir quoi qu'il arrive. Des bisous. Tâche vous quoi, n'importe comment, c'est n'importe quoi. Bisous, bisous. C'est la Coupe d'Inox euh Ouais, c'est ouais. la Coupe d'Inox. On est une grosse production, hein, t'as vu C'était vachement bien, t'as aimé avec ta chronique. Et, et voilà, et tout, euh, tout s'enchaîne. Ouais, L'enchaînement, le, là oh Et là, puis les racistes ah, ont tout... réussi à envoyer un franco-algérien au Maroc. <laughs> c'est <laughs> une c'est quand même vachement maroc maroc bien fait. Non, mais, et ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans le truc de partir, c'est qu'il part euh, même, pas pour, euh, même pas dans le pays d'origine de ses parents. Okay, ouais. C'est juste que la France, c'est insupportable, en fait. Et il a monté un studio de podcast, qui s'appelle la Casa Podcast, et on lui souhaite énormément de succès à ce bon vieux Malek. Latifa, tu voulais nous parler d'une initiative européenne oui, c'est ça, euh, d'une initiative citoyenne européenne pour rendre l'avortement accessible et gratuit partout en Europe. Euh, vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'une in initiative citoyenne européenne et, ah bon, c'est difficile d'avoir accès à l'avortement en Europe. Eh bien oui, euh, mais d'abord pour l'initiative citoyenne européenne, c'est la démocratie participative qui existe depuis le traité de Lisbonne, qui permet à des citoyens de l'Union européenne de demander euh, à la Commission de, de légiférer sur un sujet précis. Bon, les gens ne peuvent pas demander, euh, rétablissez... Euh, la peine de mort par exemple parce que c'est pas conforme aux valeurs de lieu euh, mais en tout cas pour tout ce qui correspond aux valeurs de l'Union européenne euh, c'est plutôt simple, entre guillemets, il suffit de recueillir un million de signatures sur 12 mois partout en Europe et d'avoir au moins 7 pays membres euh, dont sont issus euh, ces signatures-là. Une fois que vous avez récolté ces signatures, euh, la commission analyse euh, votre, euh, votre demande et à 4 mois pour dire est-ce qu'elle va proposer un texte et le soumettre au Parlement et au Conseil ou alors est-ce que finalement elle décide de ne rien faire. Et donc il y a des euh, militantes féministes partout en Europe, euh, c'est parti de Slovénie, mais il y a Alice Coffin pour, pour la France et Mathilde vieux notamment euh, qui coordonne ça euh, en France et, euh, et voilà et donc il y a un vrai problème d'accès à l'avortement parce qu'en fait on a fait tout un point aussi au début de l'année à raison sur le fait de dire ah ben on a constitutionnalisé la liberté d'avorter mais pas le droit à l'avortement ce que ça change c'est qu'en fait quand on constitutionnalise un droit l'État euh, doit garantir en fait l'effectivité euh, de, de ce droit là principalement et, et en tout cas il y a d'autres pays dans lesquels c'est plus compliqué par exemple en Autriche il faut entre 300 et 1000 euros pour pouvoir avorter et c'est pas remboursé ou alors en Pologne je ne sais pas si vous savez mais il y a eu d'un gouvernement conservateur qui a extrêmement réduit euh, le droit à l'avortement seulement en cas de viol, d'inceste ou de danger pour, pour la mère. Et, euh, et donc là, même s'il y a eu depuis les élections d'octobre un nouveau gouvernement, euh, la société reste très conservatrice, etc. Donc ça ne se fait pas en... Euh, même si le candidat qui était élu y est favorable, ça reste complètement... Euh, enfin, ça reste compliqué euh, de faire passer ça. Donc la solution, c'est de se dire bah, qu'est-ce que fait l'Europe l'Europe peut mettre en place euh, un dispositif qui permettrait à des, à des personnes concernées euh, de pouvoir avorter complètement gratuit, et donc ça couvrirait évidemment les frais euh, médicaux, mais aussi le déplacement si c'est nécessaire, c'est-à-dire que de pouvoir venir dans un pays où c'est plus, euh, plus facile, donc voilà, c'est une genre de sécurité sociale de, de l'avortement. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est une initiative dont je voulais parler, si jamais vous voulez euh, signer ma .org, ça vous renvoie sur le site de la commission, c'est super simple, et, euh, et vous pouvez euh, faire partie euh, des, des personnes qui pourront Créer ce changement. C'est important. On rappelle que le droit à l'avortement a été constitutionnalisé en France, notamment suite à une mobilisation citoyenne après euh, le, le revers de la Cour suprême américaine. Euh, donc, si ça l'a fait en France, ça peut le faire en Europe. Donc, signer cette initiative euh, commune européenne. C'est comme ça que ça s'appelle ICE. Oui, ouais. Ouais, -E. enfin, ICE. -Citoy initiative citoyenne européenne. Et, euh, et peut-être qu'on protégera ce droit à l'échelle européenne grâce à ça. Merci beaucoup, tous les trois, pour vos cartes blanches. Je vous propose qu'on enchaîne. On est un peu en retard pour parler de l'actu de la semaine. C'est parti pour l'actu de la semaine. L'actualité cette semaine, l'actualité du jour aujourd'hui, ce jeudi 6 euh, juin, c'était la niche parlementaire du groupe LIOT, le groupe euh, Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, euh, le groupe euh, centriste opposé à Emmanuel Macron, euh, qui a déposé une proposition de loi contre la réforme de l'assurance chômage. Troisième réforme de l'assurance chômage par le gouvernement, euh, annoncée euh, il y a quelques semaines, qui vise, comme les précédentes réformes, à durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage. Le but du jeu pour Emmanuel Macron, il l'a toujours dit, c'est le de plein emploi à marche forcée. On tape fort sur les chômeurs pour les forcer à accepter euh, des offres d'emploi. Euh, la durée maximale d'indemnisation du chômage passera de 18 à 15 mois. Euh, les économies espérées sont de 3,6 milliards d'euros par an. Euh, tout ça, euh, pourquoi est-ce que le gouvernement veut faire cette réforme de l'assurance chômage En tout cas, pas à cause du déficit des caisses de l'assurance chômage, puisque quand on regarde, on a 20,6 milliards d'euros d'excédent sur la période 2024-2027. Donc les caisses de l'assurance chômage ne sont pas vides, ce n'est pas vrai. Euh, ça ne coûte pas un fric fou, euh, l'assurance chômage. Et pourtant, le gouvernement veut forcer les chômeurs à accepter euh, des emplois. Pourquoi est-ce que le gouvernement accélère sur ce sujet-là en ce moment, d'après vous mais hein, qu ouais. hein 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 bah parce que, mais parce que c'est des, bah je, je, moi je sais plus quoi dire parce que là, c'est vrai que je crois que ça va être la troisième là. Euh, à chaque fois, on raccourcit euh, le, le, la durée euh, d'indemnisation. À chaque fois, on prend une période. Wow c'est pas la... le matos Ouais non euh, Ouais voilà Enfin bon Il y, y a un truc de euh, bah, c'est simple Il y a des postes à pourvoir Faut faire en sorte Qu'ils soient pourvus Donc euh, faut mettre les gens au boulot J'ai l'impression Vraiment on est dans Bouvard et Pécuchet De, de l'économie quoi J'ai pas la ref euh, C'est Flaubert Sur l'esprit étriqué Des petits bourgeois de province Tu veux Ah oui C'est ah, bah, du bon sens Si tu raccourcis le truc Ils vont y aller Machin Sans prendre en compte Que bah, les conditions de travail Elles sont difficiles Si le, Tiens par exemple Je lisais euh, va, Je vais rester sur les journalistes C'est intéressant euh, J'ai vu un camarade journaliste là, qui a fait un long thread pour dire euh, Je vais devoir arrêter le métier. Euh, je crois qu'il s'appelle euh, Jeremy Younes, je crois. Euh, je crois que je me souviens plus. Bon. Et, et euh, qui a fait un long thread pour dire Je vais devoir arrêter le métier parce que pigiste, on tient un peu grâce au chômage, mais mmh, là, ouais. plus ils nous raccourcissent les, les durées, plus ils nous, euh, nous fliquent, plus ils nous euh, demandent de faire d'heures, moins ça devient une solution viable. Il y a des métiers entiers qui tiennent grâce au fait que le chômage, bon, fait qu'on peut quand même un peu. Et puis, au notamment les Saisonnier. Et puis derrière, ouais. on vient nous dire on trouve plus de saisonniers, gna, 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 gna. Donc, en effet, le chômage, c'est aussi là pour ça, c'est aussi là pour dire il y a des boulots dans lesquels des fois il y a du boulot et des fois il n'y a pas de boulot. Euh, pour le, le spectacle, on appelle ça l'intermittence aussi, d'ailleurs. Donc, c'est comme les. Enfin, voilà. Euh, et, euh, et, et on est en train de fragiliser mais tout le monde, y compris les employeurs à terme, qui vont se dire merde, cette main-d'œuvre, elle n'existe plus. Celle qui venait, qui repartait, qui arrivait à vivre grâce au chômage, elle n'existe plus. C'est paradoxalement, c'est en supprimant le chômage qu'on va peut-être supprimer une main-d'œuvre. On n'avait pas pensé à ça. Hein. Alors, je me suis trompé, ce n'était pas aujourd'hui la niche parlementaire de Lyotte, c'est le 13, donc la semaine prochaine, euh, que le groupe Lyotte va tenter de désinguer cette réforme de l'assurance chômage mmh. avec une proposition de loi qui propose euh, bah, d'interdire le gouvernement de réduire la durée d'indemnisation, la suppression de la contracyclicité, l'augmentation des marges de négociation des partenaires sociaux, l'interdiction pour le gouvernement de s'en affranchir si un accord est signé. Bref, Lyotte fout l'ambiance. On sait que Lyotte a un pouvoir non négligeable euh, de, de perturber les actions du gouvernement puisque c'est eux qui étaient à l'initiative de cette motion de censure qui n'est pas passé mais à seulement quelques voix près. Donc s'ils arrivent à embarquer la droite avec eux, s'ils arrivent à embarquer, euh, toute la gauche votera euh, très probablement cette proposition de loi de, de Lyot. Il y a moyen que ça fasse transpirer sec euh, le gouvernement. Euh, la semaine prochaine, on verra bien où ça va. Il y a quand même quelque chose qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que, troisième réforme de l'assurance-chômage, toujours pas de dialogue social. On a aussi ouais. une méthode, Macron, on a aussi une méthode qui refuse de parler avec les syndicats. On a, on a une tradition dans ce pays, la démocratie sociale, ça existe, il y, a des, il y a des élus syndicaux qui sont là pour signer des accords entre le et les, et, les, et, les, et les employés. Et Emmanuel Macron s'embranle, il passe par décret, il impose son truc. Euh, c'est très sarkozien comme manière de faire. Et même Nicolas Sarkozy, eh oui, je déjà dit, je... on l'a déjà dit, même Nicolas Sarkozy respectait un peu le dialogue social, il écoutait, il, il négociait avec la CGT, etc. Il se passait des trucs, quoi. Mais là, c'est impressionnant de vide euh, ce, ce, ce vide du dialogue social et tout le monde s'en branle parce que c'est très peu connu la démocratie sociale, on s'en fout un peu. C'est vrai que les, les, les manifestations du 1er mai sont toujours très clairsemées, les syndicats ont moins de pouvoir qu'avant, et encore je dis ça, rappelez-vous les manifestations contre la réforme des retraites, c'était massif, c'était un truc qu'on n'avait pas eu depuis des décennies. Et pourtant ça passe pas, et pourtant ça passe pas, et pourtant Emmanuel Macron a les coups des franches et c'est assez impressionnant. On retourne, on retourne à, ce à ce fameux à marche forcée d'Emmanuel Macron mmh. qui s'autorise un autoritarisme très particulier. Et, euh, et c'est assez terrible. Ouais, et ce que veut forcer Lyot là, c'est que bon, certes, ça se fait pas avec les syndicats, mais que ça se fasse au moins avec le Parlement. Vous voyez où on oui, en est Oui, oui, on en est là. Ouais. À gratter. De, si vous essayez de consulter au moins quelqu'un, si c'est pas les syndicats, c'est au moins tes propres parlementaires. Tu peux faire une. Enfin, voilà. Oui, parce que là, ouais, ça passe en règlement, euh, ouais, ça passe par décret, ça doit paraître le 1er juillet, je crois, donc il euh, y a ouais, ouais. Entre guillemets, plus, plus beaucoup de temps. Et, le, et le, le plus terrible aussi, ce truc à, à marche forcée, c'est qu'évidemment, qu'à la fin, ça touche que les personnes les plus précaires et les plus éloignées de toutes ces questions politiques et de la manière dont c'est voté, etc. Mais il euh, y a des gens qui vont se rendre compte pour le chômage, par exemple, que quand ils vont aller à France Travail maintenant, et, et en fait, on va, on va les en informer. Euh, alors qu'encore une fois, on ne le répétera jamais assez, mais ce sont des cotisations que les gens ouais. ont payées, enfin c'est des ouais. prélèvements qui ne vont d'ailleurs pas être revus à la baisse. Oui, on le rappelle, oui. C'est oui, pas, une, pas une prestation ouais, ouais, voilà, sociale. Voilà, c'est ça. Ce sont des cotisations prises sur les salaires des personnes qui travaillent et donc c'est un les... système assurantiel. c'est ouais, un, voilà, un, un droit. C'est Et, euh, et c'est ça qui est assez, euh, c'est ça qui est aussi assez, assez incroyable parce que finalement, ouais, on prive des gens de leurs droits et de ce pourquoi ils ont, euh, ils ont euh, cotisé. Et encore, si on nous avait dit on va baisser ces CRDS, etc., comme on dit après, après ça, mais non, non, en fait, ça va rester euh, pareil. Enfin, les gens vont cotiser autant. Pour moins de droits. Voilà. Émilien, euh, toi, tu connais bien la situation dans l'enseignement supérieur et la recherche Oui, mais paille a des secteurs qui tiennent grâce au chômage. En fait, les précaires de l'ESR, donc l'enseignement supérieur et la recherche, tiennent aussi un peu grâce à ça. Euh, Moi-même, j'ai profité pendant deux ans du chômage pour lequel j'avais cotisé, donc je ne me suis pas senti trop coupable pour ça. Euh, mmh. euh, mais j'en ai eu bénéficié pendant deux ans, donc après deux ans. Euh, alors, évidemment, je suis quand même. J'ai fait tout ce qu'il fallait, vous yez de Pôle Emploi pour me montrer digne de mon chômage, mais euh, voilà, j'ai pu pendant deux ans ne pas avoir un temps plein à l'université comme euh, bon maintenant je, je, je fais pour pouvoir avancer un peu, un peu ma thèse parce que les contrats sont que de trois ans et que personne ne fait une thèse en trois ans en, 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 en sciences politiques et, et surtout pas... avec un temps plein sur Twitter, toi, as aussi. Oula, non, commençons. Là, là, là je, pas, pas de preuve. Euh, <laughs> commençons pas. Il n'y a pas de voilà. Compris un pas, ma directrice, tout va bien, mais et quand vous êtes jeune docteur et que vous avez un peu épuisé les post-docs, donc maintenant plus en faire après trois ans après la thèse, que vous avez fait votre ATER, donc en gros ces contrats de deux ans max pour lequel vous enseignez, et bien vous tenez avec des bouts de vacations et le reste est compensé par le chômage. Et sauf que bon, bah c'est pas longtemps. Moi j'ai pu faire deux ans, mais maintenant les gens ne pourront plus faire que 18 mois. Je crois que Gabriel veut va réduire ça à 15 mois, 15 et la durée avant vous avez besoin juste de quatre mois ces dernières années pour avoir le droit à des à des cotis à des assurances à l'assurance maintenant c'est six mois euh, donc ce qui veut que ça va devenir vraiment on va se glisser entre les mailles du filet et il y en a qui déjà galéraient pour trouver un poste permanent et ben bah, ils vont juste devoir abandonner et ce sera la prime à ceux qui bon bah ont quelque chose de côté un conjoint qui travaille ou qui sont héritiers je ne sais pas mmh. comme dans l'ancien temps mais euh, voilà il y a une profonde inégalité alors qu'en plus euh, de côté ils bouchonnent le marché de l'ESR en ne filant absolument aucun poste aucun pognon et en, juste pour rajouter, quand on parlait des plus précaires, à ce que tu viens de dire aussi, Milan et de manière générale, c'est que, euh, par exemple, sur cette durée de six mois, effectivement, mmh. quand on est jeune, moins de 25 ans, qu'on a fait un CDD, comme font beaucoup de gens au bout de six mois, on n'aura droit à rien, en fait. On n'aura droit ni au chômage, mmh. ni au RSA. Euh, la vérité, mmh. enfin, euh, crue, entre guillemets, c'est celle-là. Ils ont refusé le RSA aux jeunes de moins de 25 ans. Oui, voilà. Mmh. Parce que c'est aussi une question. Bon, les jeunes de moins de 25 ans n'ont pas, pas le droit au RSA. Ouais. Et et, euh, et même s'ils ont travaillé six mois, ils auront le droit à rien du tout. Il y a une rupture d'égalité. Oui, ouais, ouais, complètement. Oui, C'est scandaleux. Oui, il y a quelqu'un dans le chat qui dit euh, on ne cotise pas pour son chômage, on cotise pour le chômage des autres. Oui. C'est ça la solidarité Oui et non, on cotise aussi. Pour ouvrir des droits pour soi. Mmh. Euh, oui, voilà. ouais, c'est ça, c'est com complètement ça. Parce que oui. sinon, ça veut dire que j'ai payé ton chômage, Émilien. Ça <rire> fait dix <laughs> ans que je travaille. Moi. Ça fait dix ans que je suis salarié. Mais je, je serais ravi de payer le chômage de tout le monde. Mais si, 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 si je l'ai fait, si je fait avec moi, quoi, je... Bah, accepte les offres d'emploi. J'estime le mérite. Je oui. Non, mais, mais en, 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 en vrai, elle est importante, cette solidarité aussi. Bien sûr, bien sûr. Euh... Non, c'est très très, euh, très très important. On verra donc, je dis. À un moment, quand même, il nous parlait de flexi sécurité. Il reste oh, plus, que que flexi, plus que flexible. C'est très flexible. Il reste plus que flexible. Là, c'est moyen, si violenté, mais bon, c'est mmh. hallucinant. Pardon, je t'ai interrompu. Non, 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 non. Je voulais passer au sujet, euh, au sujet ah bah suivant. Oui. On verra donc jeudi prochain si Lyotte parvient avec sa niche parlementaire à faire échec au gouvernement sur cette réforme de l'assurance chômage. Euh, à suivre. Euh, deuxième sujet, aujourd'hui, on est le 6 juin, c'est la date anniversaire du débarquement des Alliés euh, en Normandie euh, qui, euh, qui ont bouté les nazis euh, hors d'Europe. Euh, commémoration aujourd'hui. Si seulement Oui. <rire> <rire> Plus compliqué que ça. Ah. Non mais justement, commémoration aujourd'hui qui est marquée par l'absence de Vladimir Poutine et de Vladimir Zelensky. Euh, on se souvient que le président ukrainien Porochenko et le président russe avaient été invités. Ils s'étaient croisés, ils s'étaient serré la main après l'annexion de la Crimée, c'était il y a quelques années, en 2014. Euh, commémoration, de, commémoration du débarquement en Normandie, dont le général de Gaulle n'était pas tout à fait fan, mais qui a été véritablement instauré un peu plus tard par François Mitterrand en 1984, quand on a fait un grand raout de chefs d'État. L'occasion de marquer un petit peu. Euh, de marquer un petit peu le coup. Mmh. On est aussi dans un contexte de guerre en Ukraine et de contexte de guerre à Gaza. Qu'est-ce que sous cette communauté internationale, les anciens alliés de 1944, de, de ont encore à se dire aujourd'hui Est-ce qu'ils sont vraiment alliés encore aujourd'hui Est-ce que euh, l'Atlantisme continue à être la boussole euh, de l'Europe C'est vrai que c'était un peu. Fin... C'est super. Enfin, j'ai regardé, un, regardé une partie tout à l'heure d'entendre des ouais, officiels américains nous parler de paix, de... En fait, je me suis dit, mais enfin, je sais pas, c'est pas qu'ils sont dans une bulle, etc. Mais là, ça révélait encore plus euh, bah, le, le cynisme, etc. Au moins, ne serait-ce que pour, euh, que pour euh, Gaza, quand on voit la politique américaine de soutien aux Israéliens, etc. Mais je me disais, putain, mais c'est... En fait, c'était culotté. C'est culotté. Et puis même, il y, y a un truc, je sais qu'on le fait euh, à chaque fois, etc. Euh, en plus, je suis normande, donc je connais tout, ces, tout, tout, tout le cérémonial qui y a autour et l'importance pour les ouais. gens qui sont là et l'importance de célébrer les vétérans, etc. Mais c'est vrai que là, les scènes de reconstitution de guerre, quand en fait, ça fait des mois qu'on voit une vraie guerre, mmh, il ouais. y, y avait un. Enfin, en tout cas, je, ouais, je parle personnellement, il y avait un truc très, euh, très étrange. Quoi. Ouais, 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 c'est bizarre, quoi. Enfin, ouais. Je me suis trompé, j'ai dit que Zelensky n'était pas présent. Oui, il hein. était bien présent. C'est Poutine qui n'était pas là, mais Zelensky était bien présent aujourd'hui aux commémorations. Ah bah heureusement que le mec qui envoyait les invités, il s'est pas trompé comme toi. Hein <laughs> ça aurait été très gênant. <laughs> heureusement que je suis pas chargé des invités. Ouais. Moi, moi, je me posais un peu la question, parce que c'est n'est pas juste qu'on ait le jour anniversaire, c'est que le gouvernement et le président ont investi politiquement, en, cette, en termes de signification, l'événement. Euh, je crois que Gabriel Attal a reparlé de ça quand il a sans mauvais jeu de mots, débarquer euh, sur le plateau de France 2 pour euh, prendre la parole à, sa, à, la, à la tête de liste LREM. Euh, je sais que euh, Macron aime bien en parler aussi. En, en fait, en fin de campagne, LREM aime bien tout d'un coup rappeler euh, l'histoire antifasciste de la France. Euh, il s'est fait, fait pareil dans l'entre-deux-tours le, dans le, le, de 2017 où il était allé à oradour sur glane ouais. ce qui n'était pas le plus, plus subtil des, des, des <laughs> bouts. mais bon, soit. Euh, et donc, il euh, y a un peu un genre de... Voilà, on va dans leurs actes. Euh, on va, euh, euh, on se dit, on file des vice-présidences au RN, et puis après, quand il reste trois jours, on dit aux gens oh là attention, euh, en fait, oh euh, rappelez-vous, le, le fascisme, oh là là. ce n'est pas bien, clin d'œil, clin d'œil, il, il serait, voilà, fait, votez bien, comme disait Giscard. Sauf que, un, je pense pas que les gens, ça marche comme ça, c'est pas comme ça que ça marche dans la tête des gens, et puis il y a un petit souci de, pas, de, 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 de cohérence. Moi, je veux bien, je suis pour, pourquoi pas l'antifascisme, mais le tenir un peu plus que trois jours, quoi. <laughs> euh, ça, ça me semble possible, enfin ça me semble pas un effort surhumain comparé à ce que d'autres ont fait il y a 80 ans. Il faut croire que ouais. si. Euh, Jules est-ce que tu penses que cette commémoration Moi, qui exclut la Russie, euh, c'est un retour à, à l'atlantisme et à oui. l'alignement sur les États-Unis Oui, oui, ouais, puis j'avais envie de. Parler de, de, de faire un petit, un petit retour sur quelques dates, euh, vraiment. Et en effet, moi, je suis des, comme toi, je suis de Normandie, donc dans les... Euh, Louvier, je ne sais, si <laughs> sais pas si je vous ai déjà parlé de Louvier. Mais enfin, on allait en classe de mer à Courcelles-sur-Mer. Euh, euh, oh. Voilà, tu vois, là, oh là je là, la connais la. les plages, tout ça. Pour moi, une plage, il y a un bunker, c'est normal, tu vois <laughs> oh. euh, bah oui, en, en Normandie, c'est normal. À Paris, là, ils ne connaissent pas ça dans le Sud. Hein. Hein c'est pas comme ça dans le Sud Ah non, bah non ils ne connaissent pas. Ah ouais. Bon, bah, Bref, euh, tout ça pour dire euh, à partir des années 90, en effet, on en a fait énormément. Mais bon, il y, y a la chute du mur, 91. Et il y a le fait que, bon, ça y est, l'affrontement, euh, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, euh, c'est terminé. Les Américains ont gagné, finalement. Euh, c'est la suite, en fait. C'est la longue suite. C'est bon, ils ont enfin gagné pour de bon. Il n'y a plus personne en face. Et là, bam, euh, 2001, 11 septembre. Mmh. Et on se retrouve avec un nouvel axe du mal. Et et est-ce que la France va être alignée là-dessus bah, Dans un premier temps, pas tellement, parce mmh. qu'il y a l'héritage euh, de euh, bah, po la politique arabe de la France euh, des années Mitterrand, puis ensuite, et puis Chirac, qui, qui continue à tenir un petit peu, et puis tout s'effondre avec Sarkozy. Ouais. Finito, là, ça y est, on réintègre le commandement intégré de l'OTAN. Et, et puis, bah, ça n'a pas cessé avec Hollande, ça n'a pas cessé avec Macron, là maintenant, oui, Hollande Macron qui, qui s'appelle nouveau, de... là, oui. Hollande qui a essayé d'embarquer les États-Unis dans une guerre. En oui, oui. Mais, mais voilà, et puis de toute façon, euh, Hollande qui de on fait des guerres contre des Arabes plus ou moins hein, en gros et des musulmans voilà parce que c'est le nouvel axe du mal à peu près et en, en ça euh, en ça on a, si tu veux ne peut pas comprendre non plus comment euh, on est on a des, des soutiens aussi inconditionnels aussi de ce qui se passe, de, de ce qu'Israël est en train de faire en, en, à Gaza. Il y a, voilà, le, Ce nouvel axe, alors certes en effet l'ennemi c'est plus le nazi, d'ailleurs j'ai même tendance à penser que les alliances dans la bourgeoisie européenne et la bourgeoisie américaine sont en train de se reconfigurer et qu'une certaine nouvelle forme de fascisme peut être autorisée, que finalement c'est plus tellement ça la ligne de démarcation, le nous et le eux » pour euh, ce nouvel axe qu'on appelle euh, l'Occident, si vous voulez. Euh, L'Occident, maintenant, euh, est prêt à... Enfin bon, voilà, euh, c'est aussi un peu le signe de ça, ce rassemblement. Mais après, Poutine, euh, Poutine évidemment, n'est pas invité, à raison. À euh, mmh. <laughs> raison, évidemment. Et lui, oui. Non, non, bien sûr, bien sûr, absolument. On est en train de, de rater Emmanuel Macron, figurez-vous, ah. qui est en train de oh, faire une allocution. Merde. On va pas la diffuser, priorité au direct, mais il ne faut pas déconner non plus. Euh, droit, 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 droit d'image aussi. Emmanuel Macron, donc, qui s'offre euh, une allocation en direct sur France 2 et sur TF1. Une allocation ah, Une allocation, une allocution. Eh ouais. Il les enlève aux chômeurs et se les donne à Ils se les donnent, bah oui. <rire> <rire> Classique. Alors, une allocution, c'est pratique parce qu'il n'y a pas de journaliste. Tu peux, tu peux ah, ouais. c'est ah, juste a... une allocution. Ah, c'est une allocution, Putain, ouais, ouais, Je croyais qu'il y avait. Je croyais qu'il y avait 1 France 2. Je croyais qu'il y avait un peu de journalistes. Non, je crois pas. Mais ou alors c est c est je me trompe. C'est un scandale. Ah non non non, c'est une interview. Même le Laurent de la Je sais pas, j'en sais rien. Pareil qu qu'il est sympa Laurent de la Non, mais TF1 France c'est pas, pas, pas une réponse. C'est C'est une allocution euh, euh, officielle solennelle ou est-ce qu'il répond à des journalistes ah, Je sais pas. C'est une, une interview. C'est une interview. On confirme ah. à que c'est une interview. Je suis rassuré. Mais c'est à la demande d'Emmanuel Macron. C'est à la demande d'Emmanuel Macron. Ah ouais. À trois jours des élections européennes, ce qui a fait énormément grincer des dents, Emmanuel Macron s'en défend en disant :« C'est pas moi qui ai choisi la date du 6 juin. » Oh. C ah c'est ah, le oh. débarquement C'est les Américains C'est la faute des Américains euh, C'est pas moi qui ai choisi la date de du 6, ma faute. 6 juin C'est l'histoire euh, Emmanuel Macron <laughs> n'est pas obligé de donner une interview euh, le 6 juin euh, Voilà d'autres chefs d'état avant se sont bien gardés De donner des interviews le 6 juin Mais lui il a choisi de le faire évidemment euh, Je suppose Parce que c'est cousu de fil blanc que dans cette interview Il va rappeler le passé, euh, l'importance pour la construction De l'Europe qu'a été le débarquement en Normandie Qu'a été le... Euh, le plan Marshall, les alliés, l'antinazisme, etc. Évidemment, Emmanuel Macron euh, est dans une campagne européenne, on ne va pas se mentir. C'est mmh. lui qui l'a fait, ce n'est pas Valérie Haillet, mmh. euh, c'est lui et Gabriel Attal qui, euh, qui ont repris le flambeau. Est-ce que ça vous choque, vous, euh, cette euh, prise de parole d'Emmanuel Macron à trois jours d'une élection majeure Ça me choque d'un président, ça... mais ça ne me choque pas d'Emmanuel Macron. Voilà. Mmh. Bim être... euh... Non, mais parce que, euh, oui, de toute façon, on le, on le sait, c'était prévu. Fin... Voilà, qui, qui, qui vont en profiter comme tu as dit etc., pour rappeler tout ça mais euh, mais euh, cela dit après c'est vrai que par contre oui j'ai vu que l'ARCOM avait demandé quand même aux journalistes ouais. d'être super vigilants sur le temps de parole des autres candidats euh, du coup euh, soirée, et leur, leur demander séquence. ouais quel dispositif ils allaient mettre en place pour essayer de contrebalancer enfin pour ouais donner la parole un peu à tout le monde parce que euh, bah, c'est Emmanuel Macron et c'est le boss de Renaissance donc euh, donc voilà enfin mais euh, ouais enfin ce qui fait qu'il va aussi piquer du temps de parole à Valérie quoi <laughs> ouais, Tout le ouais. gouvernement va venir pour lui enlever son temps de parole. Comme Gabriel Attal, ouais. définitivement, ouais, Définitivement, Olivier, elle ne pourra pas parler. Euh, ouais. Mais oui, effectivement, oui, oui, tu as raison, il y a un dispositif spécial de l'ARCOM qui oblige les chaînes. Demandé à... par les républicains oui, absolument. Ah, ai six. Ah <laughs> ça oui, Abelami là, c'était sa, sa tournée. Là. Ah, il a fait que ça, mais il a bien mmh. fait. Quoi. On ne sait pas trop ce qu'il a à dire d'autre, mais alors ça, il, <laughs> mais mais il avait envie de dire qu'il ne pouvait pas le dire. Oui. Non, mais j'avais quand même envie de vous demander, justement, sur cet argumentaire l'Europe, c'est la paix. Moi, j'ai bah, grandi ouais. quand j'étais petit, à l'école, on m'a expliqué que l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la paix. C'était l'argument numéro un euh, de, de tous les européistes, de défendre l'Europe, parce que l'Europe, c'était une construction de paix. Mmh. Ce qui est vrai, historiquement. La paix Sauf des que commerçants. Est-ce que, est -ce que cet argumentaire tient toujours Moi, pas je de... tout. <laughs> j'ai pas l'impression. que cet argumentaire marche encore aujourd'hui. Que j'ai pas l'impression ah que parler aux jeunes de l'Europe comme étant une construction de paix, ça fonctionne. Euh, L'Europe, c'est autre chose. C'est pas que la paix. Euh, L'Europe, c'est aussi un marché commun. L'Europe, ce sont des opportunités pour des entreprises. Euh, L'Europe, ce sont des politiques publiques Europe, euh, économiques très particulières. Euh, et c'est pas. Euh, c'est pas que l'Europe, c'est la paix surtout, là, on est, on est un peu en guerre, quoi. Qu'on le veuille ou non, euh, on est soumis... Euh, je ne sais plus qui j'entendais dire ça, je trouvais ça très bien formulé. Euh, C'est cette guerre-là euh, avec euh, cette guerre en Ukraine euh, est en train de, de soumettre les sociétés européennes à, à une vraie situation de stress. Alors, il y a eu d'abord, évidemment, sur l'économie, ça ne nous a pas fait du bien dans un premier temps, mmh. évidemment. Mais surtout là, euh, est-ce que vous avez vu ces euh, cercueils, ces faux cercueils mmh. disposés euh, vers les Champs-Élysées, je crois ?— Non. — Trocadéro, non ?— Trocadéro, je, tu sais, moi je suis... Tu sais, moi je viens de Louvain, moi <laughs> ouais, ouais, voilà. et euh, euh, avec quoi ce truc et ben, c'est encore une nouvelle opération des Russes. Alors, ils nous avaient fait euh, les, les faux, les, euh, les fausses les, pardon, étoiles, les de, étoiles David. de David. Ouais. Ensuite, ils nous ont fait les mains rouges et là, euh, un cercle des cercueils avec soldats français morts en Ukraine ah oui, oui. pour nous avertir. Voilà, et ils sont en train de nous désinformer à balles, ils sont en train de pousser l'extrême droite aussi à fond, ouais. pousser sur toutes les tensions de la société et ils font pas ça que chez nous. Ils sont en train d'appuyer sur les tensions Partout en Europe. Donc cette guerre là, en effet, est en train de soumettre les sociétés européennes à un stress euh, de, de fond qui est justement, c'est quoi l'Europe C'est quoi l'Europe Est-ce que l'Europe peut être euh, à la fois un espace où on, on fait des grandes phrases sur les droits de l'homme, la démocratie, etc. Tout en ayant euh, des gouvernements d'extrême droite, de plus en plus autoritaires, de plus en plus. Et là, il y a un stress, il y a des contradictions internes à, à, aux sociétés européennes euh, au pluriel, euh, sur lesquelles les Russes sont en train d'appuyer très fort. Parce qu'ils ont raison, parce que c'est des vraies contradictions euh, là-dessus. Et donc, oui, est, elle, est, elle est dangereuse cette guerre. Et l'Europe, c'est un peu tout ça. C'est un projet un peu flou. Euh, de toute façon, c'est un projet qui est venu du haut. Euh, moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent euh, Ah, bah si, l'Europe, euh, concrètement, c'est l'euro. Oui, bon, d'accord, l'euro. Euh, c'est Erasmus. Erasmus pour qui Qui a fait Erasmus pas tout le monde. L'Europe, depuis le début, est un projet des élites européennes, est un projet des bourgeoisies européennes pour s'entendre entre eux. Alors évidemment, les bourgeoisies, comme je parlais de la paix des commerçants, les bourgeoisies, ils parlent un langage, hein, c'est celui de l'argent, c'est celui, du, celui commerce. du commerce. Et, et c'est logique, et dans une certaine mesure, ça fonctionne. Faisons-nous euh, faisons un marché pour ne pas nous faire la guerre. Entre nous, ça fonctionne, ça ne veut pas dire que l'Europe ne va pas, et là, c'est la question qui se pose maintenant, l'Europe va être dans des situations de tension aussi avec des, des gens à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on va faire avec la Chine Qu'est-ce qu'on fait avec les États-Unis qui veulent commencer à nous lâcher parce qu'ils ont peut-être mieux à faire parce que justement, eux aussi, ils veulent s'occuper de la Chine. Euh, et, et voilà, qu'est-ce qu'on fait avec les Russes Tout ça, c'est ouvert Mais... hein mais oui, et puis en plus que sur ces contradictions-là, c'est qu'effectivement, on va dire que c'est un, un ensemble de valeurs, l'Europe mmh. aussi, euh, mais qui ne s'applique oui, qu'aux Européens. Oui, ouais, c'est ça, Non, mais ces questions de valeurs, etc. Qui, Il y a un double euh... sens, ces valeurs et économiques euh... aussi. <laughs> oui. Encore une fois, tu salis tout, je oui. parlais de valeurs humaines. Ah oui. Non, mais en tout cas, ces questions de paix, de droit de l'homme, etc. Euh, voilà, de, de lutte contre le fascisme euh, qui sont à l'origine, on a l'impression voilà, qu'elles ne s'appliquent qu'aux Européens. C'est-à-dire que ça ne nous dérange pas, par contre, de financer... Euh, euh, le fait que des pays du Maghreb euh, violent complètement les droits humains euh, quand il s'agit de traitement des migrants, que la Méditerranée soit un cimetière par exemple, mais ça c'est aussi grâce à l'argent de l'Union européenne que, que c'est fait, euh, ou alors qu'on ait un double discours, un double standard euh, quand il s'agit de ce qui se passe à Gaza ou quand il s'agit de ce qui se passe de ce, de ce qui se passe en Ukraine. Donc en plus c'est c'est vra... enfin surtout actuellement c'est visible pour tout le monde en vrai euh, et, et de manière plutôt claire. Donc c'est pour ça que genre de, on va dire de dissonance cognitive pour être euh... Poli. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que ouais, c'est ça qui est contradictoire. Et est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de dire aux gens ouais, si l'Europe c'est la paix, bah, la paix pour qui Après, ça dépend comment tu votes. Hein, je ne juge pas. Si tu votes pour toi, soit. Euh, si tu votes pour un modèle de société et, et, et pour la situation des plus précaires ou des plus fragiles de, de, de ce continent, euh, il ouais, faut revoir les discours. quoi Émilien, toi aussi, tu trouves qu'il y a un double standard vu la gestion des. Migrants <coughs> Il y a une forme de bleu sonore. Après, l'Europe, c'est la paix, en effet, comme il y fait pour les Européens, oui. Et, et L'Europe des marchands, on va c'est un vrai truc. On a rendu les sociétés tellement interdépendantes, avec y compris des contacts réguliers entre dirigeants, que on n'a pas le même rapport à l'Allemagne qu'on aurait avec n'importe quel autre pays. Alors évidemment, ils sont aussi occidentaux, ils sont riches, ils sont blancs, tout ça. Mais voilà, y compris aux états unis il n'y a pas le même rapport. Voilà, on a créé quelque chose qui était vraiment inédit. Après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment un problème de l'Europe Parce que la France aussi a des beaux discours sur les droits de l'homme et qu'elle ne respecte pas tout le temps, y compris parfois chez elle. Et donc, euh, ce qui est, bon, pour le coup est une différence. Mais, euh, mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'Europe, c'est la paix en interne. Mais est-ce que l'Europe est diffuseur de paix Je crois que l'Union européenne a eu le prix Nobel de la oui. paix en 2013 ou 2015. Dans ou ces eaux-là, oui. Et donc, pour ce qui s'est passé en interne, c'est clair. Après, est-ce que l'Europe est vraiment celle qui va porter la paix en Ukraine, c'est une paix où il faut, bien, voilà, faut, faut, faut ce qu'il faut. Euh, en Israël, ce n'est pas très clair. Dans la Méditerranée, pas, pas tellement. En tout cas, ce n'est pas tellement ambiance droit de l'homme. Euh, et au niveau européen, est-ce qu'on voilà, se donnera vraiment la force d'être une diplomatie qui va éviter les conflits, qui va garantir la dignité de tous les peuples, y compris les peuples qui ne sont pas européens Ce n'est pas encore dit. Je sais que certains le voudraient, notamment dans les listes aux européennes, mais euh, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait encore le cas. Puis surtout que euh, j'ai l'impression que ça commence à dater un peu le truc, l'Europe c'est de... la paix. Ah, ça date énormément. Même quand on écoute Glucksmann aujourd'hui, on, on se dit ah bah non, bah, apparemment l'Europe c'est la guerre, c'est la guerre de ouf. Euh, on, est dans, on est un peu entré dans une nouvelle phase, là, on nous parle vraiment d'armée européenne, de, 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 ouais, de défense ah ouais. européenne, et il est vrai que jusque-là on était sous le parapluie de l'OTAN, comme on dit. Mmh. Euh, il avait... ah, y a aussi la crainte du retour de Trump au pouvoir, qui et a oui, fait je... un sacré coup à l'OTAN, donc l'Europe oui, mais... a aussi envie de se défendre elle-même. Et les États-Unis avaient, avaient... nous ont quand même rendu extrêmement dépendants. Euh... De, mmh. de eux, on n'était pas autonome, c'est vrai. Mmh. Sans les États-Unis, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire. Dernier sujet, on va le faire vite les Européennes, c'est dans trois jours. Comment ah oui. vous le sentez Émilien, euh, je crois que tu voulais nous parler d'une note du professeur euh, Antoine Bristiel. Du oui. docteur, du docteur Antoine Bristiel. Quelqu'un qui a une production très erratique. Je ne sais pas s'il faut tout le temps, évidemment. En non, parler, mais, mais, mais bon. enfin bon, de temps en temps. Puis, Puisqu'il fait des choses, il faut bien le citer. Euh, donc, il a fait une note à la Fondation Jean Jaurès. Euh, voilà, il a les acquaintances qu'il veut. Mais euh, <laughs> euh, notamment, il y, y, y a un graphique. Je ne sais pas s'il est prévu qu'on qu qu si, Mais on si, mais si, on va pouvoir l'afficher. Voilà. Magnifique graphique, très coloré et tout. Euh... <laughs> Excel, RPZ, tout ça, mais euh, qui monte donc Salut. en fait, qui remet en perspective le score des euh, listes aux européennes en prenant en compte les non exprimés, c'est-à-dire les blancs et nuls. On voit 3 et surtout les 53 d'abstention l'abstention, abstention, euh, donc, abstention qui, qui remonte un petit peu par rapport à 2019. Et donc on voit que Certes, en termes d'eurodéputés, en termes de points société ça a une réalité. C'est 32% que l'on se bombarder là. Mais quand on remet tout ça en perspective, bah, qui sont les gens qui s'expriment pour, pour le RN On bat 13%. Ce n'est pas énorme non plus. On parle souvent des jeunes, des jeunes qui seraient tous RN. Bon, bah, c'est les jeunes qui votent. Les jeunes qui votent aux européennes, ils sont quelque chose comme 30%. Donc, on serait à 10% de jeunes RN. Bon, C'est déjà ça, mais c'est pas non plus une, une majorité. Alors, on voit que par ailleurs, il y a des listes qui, du coup, dont on fait tout un battage, qui deviennent bon, voilà, bel ami, élevé, reconquête, ils ont 2-3%. C'est pas tout à fait des scores énormes, et on a un peu l'impression de se battre pour des miettes et de pas trop regarder. Enfin, On en parle parce que sur les plateaux. Le premier parti, c'est l'abstention, c'est le truc un peu de, de rigueur. Mais bon, on revient quand même très vite à, ces, à tout ce reste-là des 47%. Et on, on aura un peu envie de dire mais c'est 53%, il, il serait un peu à mobiliser. On n'arrivera jamais au 100%, mais à un moment donné, ce n'est pas une élection qui compte pour rien. Elle a son importance. Il y a des eurodéputés qui vont faire des choses au niveau européen. Et on, se, et on porte notre attention sur euh, bon, des listes qui ne prennent plus, plus personne. Je ne veux pas dire que ça n'en fait pas des, des gens qui seront élus, qui ne seront pas légitimes. mais pour autant, il y a matière à se questionner sur qui ils représentent vraiment, est-ce qu'ils ont vraiment le contact avec la population, il est ce, ce sens du est-ce qu'ils arrivent vraiment à capter les besoins de l'électorat et à les mobiliser. Bon, bah là, on voit très bien que c'est compliqué et pas que depuis euh, cette année. La tifa, t'en penses quoi Les européennes dans trois jours, tu les vois comment, toi euh, Moi, je suis optimiste. Et moi aussi. Wow. Ouais, non, mais je pense que c'est enfin c'est terri c'est terrible. J'allais dire non, c'est terrible. Je sais pas si je, peut-être que je suis dans une bulle en vrai. Peut-être que je suis dans une bulle et que je me rends pas compte et qu'en fait. Euh, il euh, y aura un score incroyable du Rassemblement national, de, de la droite, beaucoup, hein. etc. Euh, je n'ai pas envie d'y croire, voilà, personnellement. Euh, je, je, ce que je regrette seulement, c'est qu'il n'y a pas eu de... Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une campagne, mais il n'y a pas eu de gros sujets qui ont émergé, qui concernaient les gens et qui ont permis de les raccrocher, entre guillemets, à ces élections. Euh, franchement, enfin, les débats, c'était toujours la même chose. Euh, ouais, il n'y a, a pas eu de... Y, y, euh, ouais, y, y a, enfin, encore une fois, c'est pas que la grève n'a pas pris, mais si, si, pas si, un si, genre. Si de... tu peux le dire, la campagne européenne n'a pas, pas pris. Il y, ouais, y a pas eu de sujet central, en vrai, euh, qui concernait les Français. c'était Les gens reprochaient des ambassades, plus des sujets internationaux sur euh, Gaza, la Palestine, etc., et le positionnement de l'Europe. Euh, mais c'est pas. Euh, ouais, voilà, mais malgré ça, je pense que ça. Ouais. Je, je, je vais y croire. Mmh. voilà Est-ce que c'est possible de remettre mon graphique de tout à l'heure, le, <laughs> le, le graphique de ma carte blanche Je ne sais pas s'ils l'ont gardé. Euh, et vous ils l'ont brûlé. S'ils si, si le bah, retrouvent. Si, si, Parce que vraiment, c'était. Euh, la, la campagne, elle a aussi la couleur de. Ah, de... oh, c'est génial. Parce que vous, vous, je ne l'ai pas commenté. Jordan Bardella, le plus exposé, c'est des chiffres qui étaient dans Ouest France et qui, faisaient, euh, qui qui regroupaient à la fois le temps de parole, mais aussi le, temps, le, 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 le nombre d'occurrences, de citations, de une de couverture, il y a eu une surexposition de Jordan Bardella mais d'une force, on nous l'a survendu, quoi. Euh, en deuxième Glucksmann, donc c'est hors de proportion par rapport au, au, res, au résultat. et c'est pour ça que je rejoins un peu euh, ce que dit Latifa c'est pas forcément d'ailleurs le candidat qu'on va nous vendre le plus euh, qui va faire le plus gros score euh, ça arrive que, il arrive que, y compris les sondages s'auto-intoxiquent, euh, se plantent mmh. Mesure mal les trucs, les dernières régionales, on nous promettait des régions euh, qui RN, tombent au RN ouais. et elles ne sont pas tombées au RN. Donc il va falloir se mobiliser quand même parce que ces espèces de prophéties autoréalisatrices qu'on entend dans les médias, elles sont inquiétantes. On voit, j'ai envie de dire, y a presque, on a l'impression qu'il y a un besoin de RN là, il y a une envie de RN dans certains cercles. c'est ça, C'est vraiment, t'as l'impression que ça a excité les journalistes et que même le débat à Bardella. En fait, même ce duo, ce duel plutôt qu'à Bardella, vous nous en parlait depuis que depuis que depuis a été a été nommé. Ça c'était un des premiers trucs de dire, oh là là, c'est bon. Il a été nommé pour faire face à Bardella. je me souviens

Euh, on verra bien en tout cas dimanche, on ouais, connaîtra je fais, les je résultats mentir, les, les dimanche sondages. soir. N'hésitez pas à les bien. voter si vous le souhaitez, voter. Ne, souha ne votez pas si vous ne le souhaitez pas, mais en tout cas parlons-en. Mmh. Chers amis, on va marquer une pause, restez sur la chaîne, après la pause on va recevoir un député très intéressant qui s'appelle Richard Ramos, c'est un député modem et un député qui se bat notamment beaucoup sur la question de l'alimentation et de la nutrition. On va parler de tout ça avec lui, on a plein de questions à lui poser, merci à toutes et à tous, c'est parti pour la pause. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir, bonsoir le public Bonsoir chers amis, merci d'être là avec nous ce soir en direct sur Twitch. Bonjour aussi si vous nous regardez en replay sur YouTube ou si vous nous écoutez en podcast, très heureux de vous retrouver pour cette émission politique. Chers amis, nous allons accueillir notre invité politique. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le député du Loiret, député du Modem, Richard Ramos. Incroyable. Bonsoir Richard Ramos. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Backseat. Euh, Richard Ramos, je le disais, vous êtes député euh, modem, député du Loiret. Mais euh, avant de faire de la politique, vous, on va parler un peu de vous. Votre passion, c'était la cuisine. C'est quoi votre parcours euh, Oh là, c'est compliqué, mais. C'était la cuisine et c'était surtout l'alimentation. Moi, je suis un fils d'ouvrier né dans une cité. Ouais. Euh, mon père est né à Tiaret en Algérie, mon grand-père à Oujda au Maroc. Moi, je suis né en 68 dans la Zub de Blois. Et, euh, et euh, j'ai eu une chance inouïe c'est que mon père, euh, ouvrier, euh, proche du Parti communiste, mais élu au Conseil municipal de Blois. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il euh, y a beaucoup de jeunes ici. Il y avait quelqu'un qui était maire de Blois qui s'appelait Pierre Sudreau. Pierre Sudreau avait passé quelques temps dans les camps de concentration. Il a été ministre du logement du général de Gaulle. Ouais. Et dans les camps de concentration, on ne s'occupait pas de savoir si tu étais un peu à droite ou à gauche euh, entre les communistes et les gaullistes. Dans on un camp de concentration, bien, ouais. ils s'entendaient bien. Et c'est d'ailleurs ouais, pour ça qu'après la guerre, on a fait quasiment toutes les réformes qu'on a aujourd'hui après-guerre. Et donc, euh, j'ai eu cette chance-là d'un Pierre Sudreau, maire de Blois, ministre général de Gaulle, ancien, qui venait dans ma HLM, me, me demandait de raconter les fables de La Fontaine, notamment le loup et le chien sur la liberté, okay. et, et un peu l'histoire de France. Et quand je travaillais mal avec mes frères et sœurs, il fallait aller un peu à la, à la mairie, réviser. Et la cuisine, ça arrive quand dans cette et histoire donc, Ah, voilà Oui, parce que c'était voilà. le point de départ voilà. de l'expérience. Et, et donc, dans la cité, moi, mon père est pied-noir, en grande partie, quand il parlait des, des, des Algériens, il disait les Bougnouls, dans la cité okay. donc euh, légèrement raciste, euh, on pas le droit de parler, pas le droit de parler de la guerre d'Algérie comme une omerta chez les ouais. fils de pieds noirs que nous -noir, étions. Ouais. Ramos d'origine espagnole, donc les espingouins dans la cité il y avait les Rital, les Bougnouls, les machins, tout ça, tout ça, tout ça a été mélangé. Et moi je comprenais pas parce que c'était mes copains quoi. Et, et le dimanche, fils de pieds noir je mangeais un couscous et je voyais bien que mon père était raciste. Alors que je mangeais un couscous tous les dimanches, ouais, y a un truc et tout ça, c'était mes potes. Ouais. C'était, On s'entendait bien. Et donc je ne je, je comprenais pas. Et c'est l'alimentation, c'est ce que je mange qui me détermine et qui me dit, il y a un truc. En plus, euh, euh, quand je mange chez moi, euh, on n'avait pas toujours trop de sous, donc on mangeait des, du, du, du lait avec des gâteaux pour chiens et chats. Vous ne connaissez pas ça C'était des grands sacs de gâteaux <laughs> qu'on trempait dans du lait. <laughs> et non, de la pas connu et ça. dégueulasse. Et quand j'allais chez les copains, parce que qui avait un peu plus de thunes, je voyais bien que, par exemple, il mangeait mieux que moi. Donc je voyais bien que ce qui me définissait en partie, c'était ce que je mange. Et donc mon lien à l'alimentation, il est dans cette affaire-là. Ensuite, on est à Blois, la Sologne n'est pas loin, et donc moi, j'ai braconné des girolles, des faisans, pour faire mon argent de poche dans les propriétés privées, <laughs> et je revendais ça aux restaurateurs pour me faire de la thune. D'accord. Et donc j'ai toujours eu un rapport particulier à l'alimentation. Ah oui et puis après, euh, je voulais être cuisinier, parce que, parce que ma grand-mère cuisinait bien, parce que mes deux grands-mères cuisinaient très bien, avec une cuisine très particulière, une grand-mère euh, issue du Val-de-Loire, donc des, des, un civet de lapin, un à la royale, des petites choses simples, mais qui étaient très, très bonnes. Et puis mon autre grand-mère, auquel je mangeais la chouchouka, la shorba, euh, etc. Et donc, euh, j'ai aimé, ai aimé cuisiner, et comme je ne travaillais pas trop mal à l'école, ils n'ont jamais voulu que je fasse cuisiner. D'accord. Donc je pense que c'est. C'est une frustration que je porte en moi euh, <laughs> régulièrement. Et la politique arrive à quel moment Parce que vous avez dit que votre père était communiste Oui. Moi, j'ai lu qu'il était UDF. Non, alors mon père, mon père, lui, c'est un peu différent, proche du Parti communiste, ouais. d'accord, mais proche de Pierre Sudreau. Et Et donc, Pierre Sudreau, il était quoi Il était gaulliste, mais il était très proche, du... il était ouvrier imprimeur, Ouais. D'accord, très proche du parti communiste. Donc moi j'allais avec les communistes à Blois. Euh, il a fait des grèves, euh, etc. Donc c'était cette, je veux dire ce, cet alliage là entre les deux. Et c'est ça qui a été très très marquant pour moi, qui fait que aujourd'hui encore euh, les gens de droite pensent que je suis un mec de gauche. Je suis Bayrou, Bayrou de temps, en temps il, il doit penser que quand il est en colère il est où le gauchiste. <laughs> et puis euh, les mecs de gauche de temps en temps pensent que je suis de droite. Donc euh, ça m'a pas quitté, mais c'est pas bien grave. Parce que j'ai lu que, 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 que vous n'aviez pas voulu aller à l'UDF parce que vous trouviez que c'était trop des bourgeois. Oui, ah bah évidemment. 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 <laughs> non, évidemment. Non, non, que... mais je comprends. Je c'est comprends. quoi, c'était l'époque Giscard Comment L'époque Giscard, Giscard oui. les Giscardiens. Oui, oui. Alors, les Giscardiens, c'était... Bah, ah, Giscard. À Blois, on a eu également, qui a, qui a été ma prof Jacqueline Gouraud, oh, où, ah. et, et donc qui est de Blois. Et donc, c'est cette génération-là euh, qui était... Euh, et donc, pour moi, c'était quand même trop bourgeois. Oui. Et, et pourtant. Puis Jack Lang, ça ne devait pas être euh, moins bourgeois non plus d'ailleurs. Euh, non, j'étais dans la campagne quand on l'a battu. Vous ah. euh, <laughs> <laughs> quand fait contre Jack Lang, à Blois. Voilà. Et donc, euh, oui, euh, parcours un peu particulier, un esprit un peu libre, qui fait qu'à la fois, euh, voilà, je, mon histoire fait que j'ai été proche du, de ce cercle centriste, on va dire là, on va mmh. dire ça comme ça. Et puis, une culture qui est une culture un peu plus ouvrière, on va dire, et donc communiste. Et donc, c'est dans les années 2000 que vous rejoignez un parti qui s'appelle Cap 21. Cap 21, alors qu'il n'existe plus vraiment, les plus ah jeunes ne doivent oui. pas connaître. Cap 21 avait été fondé par Corinne Lepage et c'était un parti écolo de centre. Oui, c'était exactement ça. C'était un peu particulier. En fait, à cette époque-là, on est peu nombreux à penser qu'il faut sauver la planète et qu'il faut faire quelque chose. Et moi, même si j'avais fait des campagnes UDF sur la deux chevaux de mon père, j'ai fait les campagnes de Jacqueline Gouraud. Je jamais pris de carte politique à l'UDF parce que je l'explique trop bourgeois. Et la première carte que je prends en politique, elle est écologique. C'est-à-dire que, euh, et déjà à l'époque, et je veux défendre les circuits courts, et je fous le bordel aussi quand je suis au lycée pour qu'on mange mieux. Euh, voilà. Je suis aussi euh, leader du mouvement étudiant contre la loi de Vaquet. Ouais. En, 86, en 86, avec 2000 ouais. personnes derrière moi. Et donc, euh, je me rappelle, je crois que c'est Le Monde qui titre le, le seul mec de droite, leader de. Vous vous définissiez comme mec de droite à l'époque Bah, c'est eux qui me définissaient comme ça. Ah, c'était Le Monde. Moi, je me suis jamais défini. Encore à 56 ans, je sais toujours pas me définir. Intéressant. Je vous, laissez, vous laissez les autres le faire pour vous Non, je cherche moi-même, euh, peut-être que dans un autre karma, j'y arriverai. Bon, vos premiers mandats sont, sont à l'échelon municipal, et puis vous devenez euh, membre de la majorité, vous devenez euh, député, euh, et vous, êtes, vous vous faites connaître du grand public euh, dès 2017 avec des propositions communes avec François Ruffin euh, oui. sur la question de la malbouffe. Alors on a une photo, euh, je crois, une, on a une vidéo même d'illustration qu'on va regarder ensemble. Ah, il n'y a pas de son, c'est l'illustration. D'accord, ok, il n'y a pas de son. <laughs> euh, voilà, avec François Ruffin, euh, on vous attendait pas forcément là. Vous, membre du MODEM, donc partie de la, de la majorité, vous échangez avec François Ruffin et vous menez des combats communs sur la question de la malbouffe. Donc vous apportez la cuisine à l'Assemblée nationale Enfin, la nutrition, peut être plus précis. Euh, L'alimentation. L'alimentation, pardon. Euh, oui, mais moi, je m'occupe pas de savoir. Euh, je, je prenais mon petit déjeuner hier matin avec François. Okay. Euh, Comment il va donc, Il va bien, il prépare les présidentielles. Ah bah on le sait il, est doute. il est concentré. <laughs> euh, on l'a vu, vu concentré, c'est vrai. Je pense qu'il se demande s'il va pouvoir tordre le bras à Mélenchon pour y aller tout seul, mais il va... on verra. On Ça, c'est son ce combat, ce n'est pas le mien. – On verra, on verra, on verra <laughs> ce qu'ils vont faire. Euh, oui, parce que, en fait, moi, j'arrive comme député, euh, et puis, euh, finalement, on reçoit. Euh, le fils bigard, vous savez, c'est bigard, c'est charade ah, ah oui. et compagnie. Oui, qu'on était reçu en commission. Et oui. je me souviens voilà. de ce, cette phase-là. Oui. On le reçoit en commission ouais. et je dis au mec mais tu, vous déposez pas les comptes, vous hum. euh, je, je, Et donc, il faudrait peut-être déposer vos comptes, ouais, parce que vous dites que vous pouvez pas payer les paysans, vous dites que aux salariés, etc. Donc, et le mec, il jette le micro et il nous, il nous jette. Et là, je lui dis Monsieur, vous allez redresser la tête, vous allez regarder la représentation nationale, quoi. Puis vous allez déposer vos comptes. Et là, François Ruffin, que je ne connais pas, on, est, on doit être en 2017, là, on vient d'arriver, et François Ruffin euh, part avec moi dans les tours, <laughs> et, et, et le mec, on ne le lâche plus comme des Fox-Terriers. Mmh. Ouais, je me souviens de cette euh, séquence. Vous aviez euh, proposé du coup une sécurité sociale alimentaire depuis Ça, c'est après, ça. Oui, depuis. C'est depuis. Oui. Euh, oui. Ça consiste euh, en quoi une sécurité sociale alimentaire Alors, là, on est, je, suis, je suis vraiment de, dessus. Mon idée sur la sécurité sociale alimentaire... C'est de mettre à, à, à n'importe qui qui a une carte, euh, pardon, n'importe qui qui a un, un numéro fiscal, on lui remet une carte de crédit, un peu comme dans les entreprises, le ticket restaurant, mais auquel on peut payer avec la carte, aujourd'hui. Mmh. Mmh. On lui remet et on met à tout le monde, c'est universel, 5 euros. Aux étudiants, on fait une surcote, on va jusqu'à 40 euros. Par... par mois. Moi. OK 5 euros, c'est pas lourd. Hein. Comment 5 euros, bah, le mec qui gagne comme moi 5 000 balles par mois, on va pas lui mettre plus quand même. Non mais celui endroit. qui gagne que 1000 balles par eh ben, contre on pour Et eh ben là on lui met une surcote. Ah OK d'accord d'accord c'est quand même progressif. On est une surcote. Okay. On est progressif. Je veux quand même que ça soit universel. Je vais, je pourrais m'expliquer pourquoi. Euh, et donc avec ça en gros, en gros ça coûte 12 milliards quand même hein. D'accord. C'est pas, pas mal, c'est pas mal, Je le pique à Coca-Cola, Nestlé, c'est-à-dire le sucre, le gras, le sel. Vous créez une taxe sur la malbouffe. Voilà. OK. Et donc je le pique là parce que c'est un truc alimentaire. Mais on on peut pas les dépenser en Coca-Cola. Alors, si parce que moi, j'estime ah, bah qu'un pauvre, il a le droit de bouffer ce qu'il veut. Mais je vais m'expliquer. Avec cette, avec cette carte où vous avez 40 euros, si vous faites, par exemple, vous êtes étudiant, vous faites de l'aide au devoir. Si vous faites l'aide au devoir le mardi, le jeudi, vous êtes crédité euh, des heures d'activité que vous avez faites en plus des 40 euros, sans impôt et sans charge pour la collectivité ou, la, ou les associations dans le monde de l'insertion qui, qui vous auraient fait travailler. Qu'on a travaillé sans salaire ou plutôt c'est du salaire en nature Non, ce pas un salaire parce qu'on n'est pas dans le secteur public, euh, privé. Il y a aussi du salaire dans le secteur public. Oui, mais on est pas, là, je suis pas dans le secteur, c'est ça que je veux, je veux expliquer. Et donc derrière, je, je fais cette carte, euh, cette carte alimentaire et on peut aller manger n'importe où, sauf qu'on a une surcote quand on achète des produits bio, quand on achète des produits en circuit, en circuit court ou quand on, qu on, qu on achète des produits français. Et on va travailler la surcode. Donc, ce que je suis en train de travailler sur cette sécurité sociale alimentaire... Alors, attention, il y a des villes comme Montreuil. Il y a, euh, il y a, il y a beaucoup de villes qui ont, qui ont testé euh, la carte. J'ai avec, euh, pour vous faire simple, euh, la, confé la, la Conf Paysanne, la Confédération Paysanne et euh, les associations, parce qu'il y en a une quarantaine en France qui sont en train de tester ça, notre point de désaccord alors eux ils veulent mettre, de, pour manger il faut à peu près 200 euros par mois ouais. je suis un peu, un peu court, eux ils voudraient mettre les 200 euros, mais 200 euros, je pense qu'on on y arrive en tout cas, moi je pense qu'on n'y arrive pas euh, sans changer tout le système politique, voilà donc là il faut que euh, euh, François il oh, ne un débat qu'on peut avoir donc on, va pas, on va pas faire ça voilà, exactement, <laughs> exactement, et donc euh, voilà pour la sécurité sociale alimentaire et donc on, on est en train de vouloir la tester sur euh, 1000 cartes pour voir comment ça fonctionne euh, et pouvoir le faire. Là où les actions les de gauche pensent aussi, c'est qu'elles pensent qu'il faut la, la flécher que sur les circuits courts. Mmh. Et c'est là où, moi, je ne suis pas d'accord. Vous voulez laisser que... la liberté à chacun Et de... voilà. Et, de... Et moi, de... j'estime que le pauvre, comme le riche, il a encore le droit de choisir là où il mange. Après, ça peut... on peut penser que ce sont des politiques en termes de santé publique. Euh, de... Il y a des Nutri-Score, maintenant. On pourrait dire, je ne sais pas, pas des trucs trop, euh, trop mal foutus. Oui. Je je plus on gens... est pauvre, moins on mange de la nourriture de bonne qualité. Oui. Aussi, ça a aussi un impact sur la santé. Euh, ça fait 40 ans que je raconte ça. Ouais. Euh, moi, j'ai... Pardon, le, le Nutri-Score, à l'époque, même l'ANSES l'avait cogné en 2001 avec Serge Hatzberg, qui a créé le nutri score euh, J'étais déjà là à la conférence de presse en 2001, et donc euh, c'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut quand même laisser la, la, la liberté individuelle. Voilà. Après que, comme on redonne des points sur des circuits courts ou des produits bio ou français, je trouve que c'est ça. Mais dire à quelqu'un tu dois aller manger là, alors que l'autre on ne l'oblige pas à aller manger à tel endroit, je pense qu'il faut quelque chose de positif et bonifié plutôt qu'une obligation. Latifa. C'est vraiment possible de s'attaquer au lobby de l'agroalimentaire, etc. Euh, dernier exemple en date, quand on voit ne serait-ce que dans des périodes qui sont compliquées économiquement d'inflation, on est incapable de. où ils réduisent par exemple les quantités euh, en augmentant les prix, ou euh, voilà, clairement ils s'en mettent plein les poches au détriment des, des citoyens et qu'il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait euh, pour contrer ça. Euh, donc ouais, est-ce que c'est vraiment possible et est-ce qu'avec euh, presque la révolution qu'il faut mener, bah, comme disait Jules, est-ce que c'est possible de la mener depuis le centre je ne sais pas si ce n'est si pas possible depuis le centre de voter à gauche. Mais euh, euh, chacun, fera, chacun fera ce qu'il veut. Vous, qui pas, vous avez le Ce que vous dites est une question complexe. Les lobbyistes, euh, gros, grosso, modo, grosso modo, moi, c'est ce que j'ai le plus retenu à l'Assemblée nationale. Il y a deux grands secteurs qui ont confisqué la démocratie les lobbyistes et les hauts haut fonctionnaires. On reste sur les lobbyistes il euh, y a une méthode chez les lobbyistes qui est toujours la même, et je réponds à votre question si c'est possible de le lutter, qui est toujours la même, c'est la valse à trois temps. Un, je crée du cognitif faux, c'est-à-dire je vais fabriquer de la pensée fausse. Je vais donner un exemple, je me suis battu contre le nitrite dans la charcuterie. Eh mmh. bien, les lobbyistes, notamment l'AFIC, le syndicat des industriels, a mis 2 millions d'euros sur la table pour faire dire à l'INRAE que c'était vachement bien le nitrite, sans le dire à personne. Et l'étude du gouvernement... Le plan du gouvernement, il s'appuyait sur l'étude de l'INREI, fabriquer du cognitif faux. Euh, il paye un mec qui s'appelle Le Cerf, Institut Pasteur de Lille. Moi, j'ai dit que s'il me faisait des procès en diffamation, je défendrais l'idée que c'est de l'information et pas de la diffamation. Mmh. Le mec, Institut Pasteur de Lille, il prend 3000 balles par jour pour aller mettre des trucs sur les produits industriels et dire derrière Institut Pasteur de Lille. Ce qui permet à mettre du cognitif faux un peu estampillé. Et de l'autre côté, on va créer de la connivence. Premier temps. Cognitif faux, connivence, discrédit. Deuxième élément, la connivence. Vous avez autour de l'Assemblée des restaurants comme chez Françoise, auxquels on invite les sénateurs, les députés, etc. Et on crée de la connivence avec des faux clubs de gastronomie, qui sont en fait des marques déposées par les lobbyistes, auxquels on invite tout le monde avec une conférence qui paraît euh, d'ailleurs intelligente. Hein dire, le, le conférencier, lui, euh, il ne il comprend pas la mécanique. Et on crée euh, chaque mois des connivences avec des gens qui vont manger ensemble. Euh, et donc, quand on va faire une loi, par exemple, sur le, le nitrite, ces gens qu'on aura fait vivre ensemble sur un truc qu'ils n'auraient pas vu, parce que, on va dire, ça pourrait paraître normal, ça a le goût de l'honnêteté comme le Canada Drive, mais ça n'en est pas. <laughs> et derrière, qu'est-ce qu'on va faire On va leur dire, regardez, en plus, le nitrite, c'est bon. Regardez, l'Inraël l'a écrit. Et le dernier truc, c'est le discrédit. Par exemple, Thierry Coste. Qui était le lobbyiste, vous savez, on, dont on dit qu'il avait chasseur, là il s'occupe de la liste chasse, on dit que c'est lui qui avait fait démissionner une qui ah, est l'un des plus grands Thierry cost lobbyistes euh, français, qui est venu dire euh, Moi je suis un mercenaire, hein, je prends le pognon là où il est. Il l'a dit hein, dans, dans les, euh, en audition chez moi, et lui après il fait le discrédit il envoie la, des vidéos que j'ai faites avec François Ruffin. Et il dit aux autres députés, regardez, l'autre amos, en fait, ce n'est pas un centriste, c'est un, un, un gauchiste. Et donc, il envoie la vidéo. Et on fait cognitif faux, connivence, et de l'autre côté, discrédit. Donc, c'est compliqué de se battre contre ça. Donc, je vous réponds, oui, c'est compliqué, mais de temps en temps, on peut gagner des combats. J'en ai gagné quelques-uns. <laughs> j'ai une question un peu terre, terre parce que vous ne pas être de 12 milliards. Hum. Donc, même si on peut j'ai que le projet est souhaitable. Faire avaler 12 milliards d'une dépense au gouvernement qui a l'air un peu près de <laughs> ses sous ou pas de, <laughs> de plein à, à taxer Est-ce que vous pensez que c'est possible Mais Oui, c'est possible parce que là, il ne suffit pas. La question, vous avez, vous avez raison. Là, il ne suffit pas de prendre de l'argent supplémentaire au budget de l'État, puisque je fais un transfert de taxes. C'est-à-dire, je, je, je vais dire à Coca-Cola qu'il se goinfre suffisamment, je vais te pomper du pognon. Je vais aller chercher des produits auxquels on sait qu'il y a trop de sucre, trop de sel, trop de gras. Et on va aller chercher 12 milliards. Mais Bruno Le Maire, il n'a dit pas de nouvelles taxes non plus. Hein. Oui, c'est vrai, mais oui, il raconte des fad... con... bon, oui, Bruno oui, oui, oui. Le Maire raconte des conneries régulièrement. Ça lui arrive, ça lui arrive. Mais la politique, c'est ça. La politique, c'est ça. C'est des conneries racontées par Bercy. Et vous, vous pensez voilà. que vous pouvez construire une coalition pour arriver à attendre éventuellement pour de nouvelles ah, mais taxes Je vais vous donner un, vous donner un très... exemple très simple. Oui. La semaine dernière, il y a, y a le, ce qu'on appelle le PLOA, le, 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 sur la, le projet de loi agricole, euh, je, je dépose moi-même, bon, c'est un modem, Marc Fesneau, mmh. mmh. ouais, du Loir-et-Cher, député à Blois où je suis né, que je connais depuis 30 ans, qui a été l'assistant parlementaire de Jacqueline Gourault, qui est ministre d'agriculture. Mmh. Okay. Voilà, je ne peux pas faire mieux dans ma relation avec quelqu'un que je connais. Je veux déposer un seul amendement. Je dépose un seul amendement, c'est que quand on achète un produit, notamment industriel, ça soit vraiment marqué quand c'est un vrai produit français. C'est-à-dire que si on achète des raviolis... – Pas juste transformés ici. Pas juste transformés ici, etc. Ou, par exemple, euh, ceux qui nous regardent dans cette bonne émission, ils iront dans un supermarché, ils regarderont le cordon bleu de chez Père Dodu. Il y a le coq français, le logo partout, et, le, et, et les produits agricoles, aucun vient de France. Mmh. Ouais. Et donc, on, on, on devient dingo. Même l'aimant, il n'y a pas de. Je Lé dépose donc la main. département, pareil. Voilà. <laughs> je dépose donc la semaine dernière. J'ai pas entendu, pardon. Non, l'aimant département, pareil, il vient pas de France non plus. <laughs> non, c'est vrai. C'est terrible. Vrai. Et donc, je dépose un amendement pour ça qui paraît quand même du bon sens, etc. Marc Fesneau contre moi, la moitié du Modem contre moi, parce que Fesneau avait dit au président de groupe, il faut y aller. Euh, D'accord Quand même la moitié avec moi. C'est-à-dire qu'il y a une moitié de courageux qui n'obéissent pas au président de groupe du Modem, euh, auxquels on leur a demandé de ne pas être avec moi, et quasiment 90% de renaissance. On a quand même gagné dans l'hémicycle. Oui, J'ai une question, c'est qu'on dit souvent que le ministère de, de, de l'Agriculture, c'est un ministère de co-gestion avec la FNSEA. Dans quelle mesure c'est vrai et non, Dans quelle mesure c'est un peu faux Non, c'est la FNSEA qui dirige et le oui. ministre co-gère et, et, et co avec eux. Voilà, donc mais... c'est vrai. C est, c est... <laughs> oui, donc vrai. Mais, mais bien évidemment. Mais bien, mais, mais bien évidemment. Vous, regardez, 2000... vous regardez ce qu'on a voté la semaine dernière sur le, sur le plan d'orientation agricole, vous prenez la envoyé parce qu'en en fait la fnsea elle vous envoie des amendements tout faits mmh, bien sûr une base d'amendements ceux qui ont été votés c'est ceux de la fnsea voilà c'est comme ça euh, richard euh, ramos en 2023 vous avez été le seul de la majorité à voter le blocage des prix proposé par la france insoumise oui qu'est ce que tout à l'heure vous l'avez dit comme une boutade voter à gauche mais qu'est ce Qu'est-ce qui fait que vous appartenez à cette majorité Vous avez l'air de critiquer vertement le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Économie. Euh, Qu'est-ce qu qui vous retient au modem dans la majorité Moi, je suis un parlementaire d'abord. Euh, euh, tous les gens de gauche, que ce soit François Ruffin, Olivier Faure, Liottes, tout ça, euh, ils disent viens chez nous. Bah, J'imagine. Mais, mais Pourquoi parce que. Vous pas Parce que par exemple. Euh, moi, je suis parti très tôt de chez moi euh, également parce que euh, à 4 h du matin, j'avais 18 ans, je suis parvenu pendant 10 ans chez moi. J'ai créé ma petite boîte, j'ai créé un foyer de sans-abri à Blois, j'ai fait 40 ans de maraude. Je pourrais. Je veux dire, c'est l'entreprise aussi qui m'a construit. Euh, voilà. Et donc. Mais là, je... vous êtes dans une majorité qui crée des sans-abri. Oui, oui, non, mais dont acte. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je crois quand même à la liberté d'entreprise et aux entrepreneurs. Et de temps en temps, sur la partie à gauche, j'ai envie de dire, notamment chez LFI, c'est comme si on n'aimait pas les entrepreneurs. Donc c'est très compliqué de trouver quelque chose à 100% qui pourrait me ressembler. Vous restez libéral euh, je reste êtes, un libéral. Vous, êtes, vous, vous êtes... aimez... Euh, okay. je, je reste foncièrement un libéral. Un libéral, ok. Donc ça, non, mais ça a du sens, le oui, centre, mais... historiquement, le libéralisme, l'UDF, etc. On en parlera. Latifa. Peut-être un autre point de divergence avec certains à gauche. J'ai lu que vous aviez revendiqué comme une, comment dire, un certain pragmatisme avec les députés RN et le fait de pouvoir travailler avec eux. Je sais que vous en avez dans votre zone géographique, on va dire. Et, euh, et je crois que vous avez dit aussi que, par exemple, concernant le projet de loi immigration, il n'y avait pas eu de ligne rouge qui avait été franchie, notamment sur la question de la préférence nationale, etc. Donc, avec tout ce que vous avez raconté au début sur le racisme, voilà, j'y ai repensé. Et là-dessus, ouais, sur le fait de dire, bah, en fait, un député RN, on travaillait avec lui complètement normalement, comme avec euh, d'autres collègues. Euh, J'ai oublié, dans ma jeunesse, j'étais obligé d'être de conscience euh, à SOS Racisme. Euh, ça et fait que beaucoup, là. C'était en quel... quelle année <laughs> Comment moi ouais. bon, j'avais 20 ans, donc euh, je suis né en 68, voilà. Et qu'aujourd'hui il y a des migrants qui vivent chez moi, euh, euh, qui vivent chez moi réellement. Donc, Ça ne répond pas à la question. Est-ce que vous travaillez travailler à la question, avec des, des que, députés euh, RN voilà. Moi je peux travailler sur des amendements. J'ai dit je ne voterai jamais une proposition de loi RN, jamais. Okay. D'accord Mais quand un amendement qui est proposé, un amendement, hein, euh, et qui est bon pour les Français, je suis capable de le voter. Et donc c'est ça que j'ai voulu dire, parce que ce que j'ai voulu dire, et je les combats les RNC, euh, je vous passe les détails, j'ai mené aussi le, j'ai créé, j'avais 20 ans, un comité de ré, régional de vigilance contre le racisme et l'antisémitisme. Euh, on est en train d'essayer de monter un truc avec la Licra et Essaouira au Maroc. Euh, mais quand on est dans l'hémicycle, quand un amendement, je dis, je dis pas une proposition de loi, hein, euh, pardon, d'être aussi, voilà, eh bien, si je pense qu'à un moment donné il est utile aux Français, je suis capable de le voter. Avec le Rassemblement national. Oui. Avec le Rassemblement national. Et donc la loi immigration, pour vous, ne franchissait donc aucune euh, ligne rouge et... ah, Si, il y avait des lignes rouges, mais par exemple, je prends la loi immigration. Ouais. Sur la loi immigration, on avait la possibilité de débattre euh, pour faire un certain nombre d'amendements qui allaient dans le bon sens. D'accord Finalement, ce qu'ont fait LFI, les communistes, les écolos et les socialistes, d'empêcher. Avec la motion de rejet, le débat, ça a empêché notamment un certain nombre d'avancer sur le sujet. Oui, mais est -ce mais... Que est pas, pardon, excusez-moi, mais est-ce que c'est pas le débat éternel de se dire ah bah, si on ne débat pas de ces sujets un peu d'extrême droite, c'est pas possible. Est-ce que alors, vraiment on veut débattre du sujet de la préférence nationale au sein de l'Assemblée en fait Mais C'était pas la mais est -ce préférence est, est, là, en Est-ce qu est euh... qu est est qu'on débat de sujets mis sur le plan politique et médiatique par l'extrême droite Est-ce qu'à un moment donné, on atteint le stade ultime comme on dit de la normalisation de ces sujets-là. Et, et voilà. Après, c'est une question de, aussi voilà, de stratégie politique, etc. Dire, mais enfin, fait, c'est la question. Enfin, voilà. C'est oui, 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 mais, mais très légitime ce que vous dites. Moi, je vais donner des exemples. Quand on est, euh, je ne vais pas rentrer dans le, dé, dans le, dans le, dans le, le détail de comment c'est compliqué de faire venir un migrant de façon régulière euh, en France. Mais par exemple, quand vous avez euh, ici dans ce quartier-là, on est dans le 20e, comme partout, des gens qui, avant la loi immigration, avaient travaillé, avaient des fiches de paye, quelques fiches de paye, et voulaient pouvoir récupérer les papiers parce qu'ils n'en avaient pas. C'était à la demande de l'employeur. D'accord Ça, c'est avant la loi qui était dans l'hémicycle. OK Ça veut dire quoi Vous croyez que l'employeur, quand il paye quelqu'un 300 balles à faire 11 heures par jour, il va, lui. Faire la demande pour que le type soit régularisé ou la fille soit régularisée La réponse est non. Aujourd'hui, après le texte de loi, la demande de régularisation, c'est plus l'employeur qui l'a fait, mais c'est l'employé. Et donc, il y avait des choses dans cette loi, et, et vous avez raison, qui étaient notamment la préférence. On, on sentait ce, ce vent de préférence nationale. On sentait il y avait bien, plein. Oui, ouais, mais il y avait plein de choses auxquelles. Euh, il y avait combien d'articles sur cette proposition de loi non mais je sais pas. il ben faut non, la lire. C'est-à-dire que ah non, mais, attendez, mais mais non mais, mais, non, mais bon, je suis mais je suis pas <laughs> parlementaire. Ah non, mais vous êtes citoyenne, vous non, me posez des mais... questions. Je sais pas qui vous me posez fait... les questions. Oui, mais à partir de vous... moment... là. Mais vous me posez des questions avec des postures Attends. politiques. Attends. Mais moi mais je, mais je regarde non, grave, non, moi je n'ai pas de sujet. Je regarde texte par texte. Moi je vois un projet de loi, amendement par préférence nationale, je n'avais pas envie de regarder le reste pour être complètement honnête avec vous. Voilà et voilà. C'est et là pas parlé en termes d'opportunités politiques, de climat politique, Là je peux vous donner raison. Parce que d'un point de vue général politique, ça donnait l'impression que certains, et on peut me mettre dedans, auraient voulu courir sur les idées du Front National. Voilà, c'est exactement Mais ça. Ça, c'est vrai. Mais dans. Pardon. Moi qui suis. Pardon. Je fais beaucoup de dossiers de migrants. C'est très technique. D'accord C'est très technique, un dossier de migrants, parce que tout est fait pour qu'on les rejette. Dans ce texte de loi, mes amendements, si vous allez regarder mes amendements, c'était que des amendements qui permettaient à des migrants soit de venir. Plus vite ici, devenir mieux, notamment des étudiantes, ou à des gens qui étaient ici, de mieux les régulariser. Est-ce qu'ils ont été votés, ces amendements et, ah ben, On n'a pas pu, puisqu'il y a eu une demande de rejet. On n'a pas pu débattre. Ah oui, c'est vrai. Mais. Oh, et, du coup, si vous n'avez pas du tout voté la loi, on n'a pas pu. Ouais, vrai. Euh, non, non, il n'y a pas eu de vote. Euh, lors du dernier remaniement, François Bayrou a fait, un coup de sang. a fait un coup de sang. Il a fait savoir publiquement qu'il était en désaccord avec la droitisation du gouvernement d'Emmanuel Macron, avec sa, sarcoïs avec sa sarcoïsation. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez qu'a fait François Bayrou Est-ce que c'était une erreur pour vous Ah ben bah non, moi-même j'ai j'ai dit sur pardon des, chez vos confrères dans d'autres plateaux télé euh, euh, que ce, ce gouvernement était devenu à droite. Je l'ai dit euh, mmh. publiquement dans plein de plateaux télé. J'ai dit moi-même, j'ai fait la proposition qu'on fasse une liste autonome européennes. Est-ce que vous voteriez la confiance si elle était demandée par Gabriel Attal Oui. D'accord. <laughs> C'est difficile de vous suivre, eh bah oui, C'est difficile à... de vous mais suivre, moi -même, hein, parce mais, que. Mais moi-même. Moi-même, <laughs> des fois, je me suis on est, on, est plusieurs, on est plusieurs dans moi ma tête, c'est ça Moi-même, moi-même. Des fois, je me parle à moi-même et je ne suis pas d'accord. D'accord. Euh, euh... C'est particulier. C'est eh, le... ah, bah oui, intéressant. Non, non, mais on les... sent que vous avez des convictions profondes, on sent que qu on vous savez où vous, vous, ça, vous habitez, mais, mais c'est difficile de vous suivre ah, mais... et de comprendre exactement ah, quelle est la pardon. logique et quelle est la, la cohérence. Euh, expliquez C'est là où. Non, mais. Euh, et, et vous avez le droit, je pourrais vous faire de la novlangue, euh, etc. Ah, non, évitez, s'il vous plaît. Il y a un certain nombre d'éléments auxquels, moi, je. Par exemple, je pense qu'à l'intérieur de quelque chose, on peut se battre. On va avoir le président de la République qui, a priori, ne peut pas se représenter. J'étais tout à l'heure avec François Bayrou, j'ai l'impression qu'il a envie d'y aller. Oh non. Euh, vous le voyez tous euh, les jours. Comment Vous le voyez tous les, les jours, jours. Mais que... j'étais tout à l'heure. Si vous avez le choix entre Ruffin et Bayrou, vous votez qui Ah ça, ça, alors ça, ça Ça c'est bien. Ça, c'est est une... celle hein. c'est une bonne question. Ah, ça vous vous faites exclure du groupe. Non, <laughs> vous allez avoir des problèmes avec votre groupe là. Que... j'en ai, ai, régulièrement. Est-ce que... Ah, oui, est... 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 demander... est je... que vous avez des problèmes avec le gouvernement Est-ce que vous avez des problèmes avec votre ah, oui, groupe Ah vous, vous êtes engueulé souvent. Ah bah oui. Vous êtes l'électron libre, incontrôlable. Exactement. Moi, on me convoque. On me convoque. On m'engueule. On me dit tu peux pas parler comme ça. Alors. Au début, c'était drôle parce qu'on me convoquait euh, des fois à Matignon pour m'engueuler. Et alors, on me disait T'es un garçon quand même euh, à haut potentiel, donc il faudrait quand même que tu polisses ton discours. En gros, ça veut dire. Vous êtes ta... ça. Voilà. En gros, ça voulait dire <rire> <rire> Ferme ta gueule et peut-être qu'un jour tu seras secrétaire d'État au chou farci. Ah, en fait, c'est ça en que, ce que sens veut sens dire. Dans ça sens Vous n'avez sont... pas accepté le macaron non mais tout ça pardon mais enfin, vraiment là par contre je suis j'ai pas besoin de chercher longtemps ça m'intéresse pas ce qui m'intéresse moi je suis un parlementaire c'est qu -ce... quand j'ai une loi quand j'ai un texte de pas trop regarder qui le fait est-ce que c'est bon pour les français ou pas usule ouais, euh, Est-ce que la, la, la montée de l'extrême droite et l'arrivée la, 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 potentielle, parce que finalement dire qu'on pourrait travailler avec le RN d'une manière ou d'une autre c'est peut-être aussi euh, finalement s'adapter à ce qui risque d'arriver, ça vous inquiète J'avais vu euh, cette montée cette arrivée potentielle d'un Bardella d'une Marine Le Pen euh, d'ici 2027 il y, y a une euh, membre de, de votre parti qui a dit une fois que euh, mine de rien le wokisme l'inquiétait beaucoup plus que Zemmour C'était Sarah El ça. Sarah El du Modem euh, Est-ce que vous êtes de c'est là que finalement l'extrême droite inquiète moins que le wokisme. Mais moi, ou... demain, il demain, y a François Ruffin ou Mélenchon mmh. face à Le Pen, je vote Ruffin-Mélenchon. D'accord. Je n'ai pas mi un millième de seconde d'hésitation. Euh, c'est mon combat. Euh, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais vous avez votre fonction et votre personne. Donc, euh, oui, ça me hante tous les jours de penser que ces gens-là peuvent arriver au pouvoir. Mmh. Ça me hante tous les jours. Alors, comment faudrait, comment faudrait faire pour combattre, euh, repousser cette éventualité ou, ou la, bah, Il faudrait que Mélenchon et Ruffin se mettent d'accord, comme ça, il y aurait au moins 1500 15 candidats à gauche. Parce que s'ils sont divisés. Je suis pas sûr qu'ils soient d'accord sur ce point-là précisément. Non, mais pardon, euh, vous me posez la question technique. Euh, ouais. bien, la politique, c'est aussi ça. Non, mais vous attendez que la gauche euh... se démerde et se rassemble non, mais, et vous la, et non, et non, vous la rejoindrez Non, mais moi, je suis, je suis, ça, <laughs> euh, je suis pour un. Euh, je suis. Mais moi, je l'ai dit, si c'est au deuxième tour, il y avait ça. Et puis je pense que derrière, il faut mettre des idées qui, qui nous permettent d'être plus efficaces qu'eux. Je veux dire, on va prendre le débat Attal-Gabardella. D'accord Là où je me Vous l'aviez bien... vu sur France 2. Ah, oui, j'ai vu, bien ouais. évidemment. Euh, là où je vais encore me faire des amis. Euh, vous avez Gabriel Attal qui arrive, sans fiche. Vous lui donnez un chiffre, il vous le recorrige à la virgule près et il vous explique pendant tout le débat, pourquoi vous avez tort d'être malheureux, pourquoi vous devriez être heureux, parce qu'on a bien fait, je vais même vous le prouver avec les chiffres. Et dans la presse parisienne, les intelligentsia parisiennes, ils ont dit qu'il a gagné le débat. Alors que le peuple français a plutôt dit que c'était Bardella. Pourquoi Parce que Bardella, il s'est retourné en gros, pour faire simple. Et il a dit alors, vous êtes heureux, le peuple français cest cette fameuse mais arrogance. arrogance oui, cette arrogance. arrogance. Et quand je dis sur un autre plateau télé que Véran est la verrue du gouvernement... Oh, et Elle n'était pas très fine, celle-là. Oui, mais des fois, je suis pas très fin. Je vous le concède. Parce que qu'il il croit que la pédagogie, c'est expliquer aux Français, je sais, tu sais pas, t'es un con, je vais t'expliquer pourquoi, j'ai raison. C'est pour ça que le... Le gouvernement un peu Plus d'humilité, c'est ça Oui, et puis euh, à la fois de l'humilité, et on ne peut pas faire en forçant les choses aux Français. Il faut faire avec les gens. Mmh. Voilà. Et donc, euh, euh, ça, c'est une arrogance que, que je n'aime pas. Émilien. Et on n'a pas de Bardella, et justement, dimanche, ce sont les Européennes, et il peut y avoir des gens très différents au Modem, et normalement, il y a un truc qui rassemble les gens au Modem, c'est l'Europe. Et. Voire même un projet un peu fédéraliste. Le Bonhomme s'était allié à l'UDI, je crois, en 2014. Ils avaient lancé leur propre liste, donc peut-être que vous auriez voulu ça. Et quand on lit le programme de Valérie, ou quand on l'écoute, bon, évidemment, c'est pro-Europe, mais on se dit qu'en termes d'inspiration, de, de pas nouveaux dans l'intégration européenne, je parle même pas de fédéralisme. Euh, c'est un peu timide qu'on se dit, y a pas une, y a pas une, une je sais pas une poussée, une énergie vers vers plus d'Europe, qui donne envie ou, ou un projet qui donne envie. Est-ce que vous avez cette impression-là Est-ce que vous avez, par exemple, en matière d'alimentation, un, 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 un sujet européen qui, qui donnerait un peu envie d'Europe, quoi Oui, mais pardon. Quasiment. Envie d'Europe, je crois que c'est Glucksmann ça, non Ouh, Oula, je, je, je pas. c'est réveiller l'Europe. Euh, réveiller l'Europe, non Voilà, bon, vous inquiétez pas, pas de, pas de problème. Euh, euh... <laughs> Quasiment 70% de ce qui se passe sur l'alimentation, c'est les textes européens. Je veux dire, quasiment. Donc, évidemment, euh, que, que j'aimerais qu'il y ait plus d'Europe. Euh, évidemment que ça m'est arrivé d'aller à Bruxelles. J'ai aussi rencontré Glucksmann, j'ai échangé. Donc, euh, oui, j'aurais aimé cette affaire-là. Pour vous dire quelque chose auquel on évolue, et ça va paraître encore une fois assez particulier, plus je vieillis, plus moi je suis pour une Europe fédérale, mmh. euh, plus je me dis il faut une Europe des nations. Une vraie Europe. Le vocabulaire mais... est, le vocabulaire est, est marqué bizarre là, et... parce que du non, coup, mais... c'est deux idées très différentes, l'Europe fédérale et l'Europe des pour... nations. Je vais... je parle... Là, j'étais sur mes secteurs de l'alimentation. Oui. Ah. En fait, euh, je vais vous donner un exemple. Euh, moi, je pense que ne euh, faut pas mettre, Alors, ça, ça vous paraître loin, mais on parlait bien d'alimentation. Hein. Euh, L'Europe veut que tous les fromages aient le même goût. Et l'Europe a envie, par exemple, euh, de mettre du lait pasteurisé dans toutes les AOP européennes. Moi, je pense que mon fromage en France, et même en France, quand je divise les territoires français, un lait cru d'Alpage n'a pas le même goût qu'un lait qui est en bas. Et donc, quand je dis au sens de la nation et du goût national ou régional, c'est okay. la, la diversité dans, dans l'Europe. J'ai une question qui est, qui est liée à ça. Alors, pourquoi vous n'avez pas tenu cette idée d'avoir une liste centriste aux Européennes, parce que vous aviez plaidé pour ça Et pourquoi vous n'y êtes pas allé finalement euh, mais quand parce, même que, parce que je ne suis pas assez puissant. Je l'ai dit, mais... Non, mais, mais il y a plein de petits partis qui se lancent, hein, qui, euh, qui ont leur liste, et euh, voilà, il y a 38, mais... y a 38 candidats, hein, enfin 38 listes, pardon. Euh, ouais, mais à la fin, pardon, est-ce qu'à la fin, ils impacteront quelque chose Est-ce qu'ils seront utiles Je ne crois pas non plus. Je veux dire, moi, je, je vous assure que je les fais beaucoup plus suer en étant dans la majorité présidentielle. Et en les faisant perdre aux banques si j'étais sur un parti qui fait 2%. C'est pas faux. Vous essayez de les faire perdre souvent Ah oui <laughs> ouais. Vous Puis avez des amendements qui. Est... Oui. J'y prends un certain plaisir. Mais comment est-ce que vous ne vous faites pas virer du groupe Alors ça, euh, ils, ils essaient. Oui, oui, non, mais oui, oui. ils essaient. Euh, on m'a dit il n'y a pas longtemps, quelqu'un, c'est important, m'a dit mais, mais barre-toi si tu pas content ah, mais ben non, moi, je suis... <laughs> oui, d'accord. Je suis là. 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 Oui, mais des je fois, il y a des groupes qui excluent leurs députés tellement ils en ont marre. Oui, mais, mais euh, c'est compliqué, parce que euh, je, quand vous défendez des convictions, moi, je pense qu'on peut me prendre à défaut d'être exce excessif. On peut me prendre à défaut parce que je peux me tromper. C'est compliqué de me prendre à défaut d'insincérité. C'est vrai. Et donc... Euh, et donc euh, euh, on peut même me prendre à défaut dans des contradictions. Parce que quand on vote quelque chose, c'est très intéressant. La, 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 je ne reviens pas sur la loi immigration, mais c'était compliqué pour moi. Très compliqué. Je vous assure que je m'occupe beaucoup de migrants. Je ne veux, veux pas rentrer dans... Parce que je ne vous verrai pas grand-chose sur les réseaux sociaux. Mais euh, vous avez trois boutons pour voter. Mmh. Pour, pour un texte compliqué. Pour, contre ou au milieu, j'ai pas de courage. Que vous appelez abstention. C'est peu pour résumer une pensée. Vous voyez ce que je veux dire Et donc il y a des textes, il y a des textes où c'est très compliqué parce que moi je voyais des avancées possibles. Mais il y a les amendements quand même. Oui. Comment Oui, il y a les amendements. Eh, quand il y a débat. débats. Quand il y a des quand il y a pas euh, sur parce les que il y a Des plus communistes. Débat. Vous demandez à André Chassaigne. Hein euh, je, je, oh. Il paraît que je vais être l'invité d'honneur à, à la fête de l'Uma d'André Chassaigne là, c est, c est Ah, bah on, ah bah, on bah, prendre. Prendre. bah on va se revoir alors, ça <laughs> <te> fera plaisir. <laughs> euh, j'ai une dernière question pour vous, Richard Ramos. Vous avez proposé à l'Assemblée nationale la transformation du groupe d'études franco-palestinien en groupe d'amitié France Palestine. Est-ce que vous êtes pour la reconnaissance par la France de l'État palestinien Bah oui, euh, voilà. Il y a trois mois, à l'unanimité, il y a trois mois, j'ai été élu président du groupe. D'études sur la Palestine. Pourquoi Parce que euh, je suis allé plusieurs fois en Palestine, à Naplouse, avant les événements. J'ai travaillé sur une école de femmes là-bas, une école de cuisine. Je reçois des jeunes. Là, il y a des jeunes qui vont arriver ce week-end, des jeunes palestiniens. J'ai accompagné des visas pour les palestiniens pour okay. faire des études en France. Euh, ce qui se passe avec la Palestine aujourd'hui est une honte. C'est-à-dire que euh, moi, je ne suis pas du tout euh, euh, anti-israélien. Ce n'est pas le sujet. Mais. On essaie d'invisibiliser ce qui est en train de se passer à Rafah et à Gaza. Et à l'Assemblée nationale, vous avez que des vous ne groupes... nommez pas là. Vous... Comment Que vous ne nommez pas. Comment ça Vous dites ce qui est en train de se passer. Vous utilisez le terme génocide ou pas C'est tout un débat. Ouais, je. je... C'est pas intéressant comme débat. Euh, c'est pas le mien. Mmh. Moi, ce que ce que j'essaie justement là, c'est d'amener et, et Caron qui a, qu a, qu a fait son film sur Gaza. Euh, il a demandé à ce que j'accepte d'y venir, j'y suis venu. Il a il a demandé à ce que le groupe d'études, ça soit la groupe d'études, ça paraît symbolique, demande la salle. Ça veut dire que en demandant la salle, ça veut dire que le groupe d'études soutenait la projection de ce film. J'ai demandé la projection de, de la, de la salle nationale. à l'Assemblée nationale. Et, et bref, pas vous juste. êtes à la tête de ce groupe d'études et vous voulez que ça devienne un groupe, groupe d'amitié. Parce que pour euh, les groupes d'amitié, euh, en fait, c'est des amitiés entre les parlements et les parlementaires des pays. Mmh. Mmh. Il y a trois critères pour devenir un groupe d'amitié au Parlement, avoir une représentation en France, c'est le cas pour la Palestine puisqu'on euh, a une ambassadrice, mmh. avoir une représentation à l'ONU. Moi, je considère que même s'ils ne sont pas membres, ils sont, ils sont observateurs. Donc, mmh. ça se discute. Mmh. Et deuxièmement, il faut avoir un Parlement. Donc ce pays est un, à, parlement. un parlement. Mais au, à Palestine, il y a un Parlement. Les députés sont rémunérés. Le problème, c'est qu'il n'est pas actif. Et il n'est pas actif, pourquoi Parce que les Israéliens bloquent. Les élections mmh. à, à Jérusalem et à Jér Jér Jérusalem Est. Et donc moi je pensais qu'il y avait deux critères, au moins susceptibles d'être un groupe d'amitié. Et parce qu'on qu a également le groupe Québec qui a que deux critères mmh. et qui est quand même un groupe d'amitié au Parlement. Mmh. J'en fais donc de la, la demande. Pourquoi également ouais. Parce que j'estime que pour pouvoir faire des choses, notamment avec le groupe d'amitié éventuellement israélien, je dois être groupe, au même niveau. Je peux pas être La Palestine ne peut pas être un sous-groupe. Si vous voulez qu'on dialogue, qu'on fasse un colloque ensemble, euh, parce qu'on veut tous un territoire à deux États, la reconnaissance de la Palestine, je ne peux pas être un espèce de sous-truc vis-à-vis du groupe d'amitié Israël. – Ce sera décidé quand ?– ben, On a, on a, a perdu perfusé, deux voix. – Ah, vous avez perdu ?– Il euh, y, y, a, y a 15 jours, on perd de deux voix. – Qui est bloqué ?– Ah Alors, c'est terrible, parce que, bah, évidemment, euh, l'extrême droite, oui. la droite… Oui. Et la présidente de l'Assemblée nationale. Bien. Ah. Yael Brune-Pivet. auquel j'ai dit moi que dans nos métiers, qui n'est pas un métier, nos fonctions, nos fonctions doivent dépasser nos personnes, mmh. même si nos personnes habitent nos fonctions. Yael Brune-Pivet, elle a abandonné sa fonction et elle a fait voter sur sa personne. Et donc, alors que sa mission de présidente de l'Assemblée nationale, c'est que la fonction dépasse la personne. Merci beaucoup. Richard Ramos définitivement inclassable. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de Backseat. Merci de vous laisser y aller. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. On va conclure cette émission. Euh, chers amis, euh, où est-ce qu'on vous retrouve Est-ce que ça vous a plu, déjà oui, oui, oui. C'était chouette. Bah, on a é commencé avec la vivre, Palestine, hein, la fin, on a terminé avec la Palestine, on a commencé euh... avec Gaza, avec Médecins du Monde, on termine avec Richard Ramos et la question palestinienne à, euh, à l'Assemblée nationale, intéressant. Émilien C'est étonnant à vivre, surtout à côté. <laughs> oui. Mais euh... non, ça, on peut pas dire que c'était pas intéressant. Ah, il est entier, il est entier il est Richard entier, Ramos, ça, il est inclassable. Ça change, ça change des fois, oui. Absolument. Euh, Latifa Usul, ça vous a plu Oui, ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais, J'avoue, c'était ouais, une sacrée salade niçoise, avec un peu de tout. Mais... C'est coloré. Ouais. Voilà. C'est coloré, ah, c'est vivant. La... Mais euh, mais je lui oui. reconnais la sincérité. Mmh. Je lui reconnais la sincérité des convictions, effectivement. Euh, C'était assez intéressant. C'était vraiment intéressant. Merci du fond du cœur à vous d'avoir suivi cette émission. Euh, je vous rappelle que vous pouvez participer au financement de cette émission pour qu'une quatrième saison ait lieu à partir de la rentrée prochaine en septembre. Euh, N'hésitez pas à vous rendre sur le Kiss Kiss Bank, Bank. Merci, cher chroniqueur, chères chroniqueuse. Merci à vous, le public. C'est la fin de cette émission. Salut tout le monde. Au revoir. Merci.